Bien le bonjour YouTube, j'espère que tu vas. Bienvenue pour cette nouvelle rediffusion de live. Enchanté de te rencontrer et bonne année. Nous sommes actuellement le 3 février 2023. Il est 20h25. C'est la seule fois de ma vie que je peux dire cette phrase, alors j'en profite. Bonjour YouTube, aujourd'hui nous nous retrouvons pour notre deuxième épisode sur le let's play de Omori qu'on avait déjà entamé la semaine dernière, qui était... Je me disais, il n'y a pas de musique, je l'entendais pas de loin. Qui était fort sympathique, d'accord, qui était fort cool. On nous a prévenu que, alors attention, je te le redis, hein, le jeu, il va aborder des sujets pas très très cool, qui vont mettre mal à l'aise beaucoup de personnes. De toute façon, quand on va lancer le jeu, on va avoir un écran de prévention. Mais pour l'instant, ça va, le jeu est très coloré, le jeu est très mignon, je m'accroche beaucoup aux personnages. Ça a un humour... Ouais, qui peut rappeler un petit peu l'humour des personnages secondaires à la Undertale, tout ça. C'est un système de combat que j'aime beaucoup aussi, que j'apprécie. Pour l'instant, tout roule. C'est pas le jeu... je suis pas en mode... Oh, on m'avait prévenu que ce jeu... soit il était horrible ou soit il était incroyable. Pour l'instant, c'est plus que correct. J'apprécie. La dernière fois qu'on a joué, j'ai pas vu le temps passer et j'avais même pas plus envie que ça de m'arrêter. Mais... on va voir ce soir avec les 3h30, 4h, si, qu'est-ce qui va se passer. On en profite évidemment pour remercier comme il se doit la team Omori FR, Omori VF, Omori en français qui a traduit le jeu avec ses petites mains du coup qui nous a proposé une belle traduction de fans par des fans pour des fans qui ont mis à jour d'ailleurs leur patch là aujourd'hui, donc du coup voilà, je le dis au cas où certains l'avaient déjà téléchargé, vous pouvez le retélécharger. Merci à vous. Et on va donc découvrir donc ce petit jeu, on va continuer ce petit jeu. Merci à Maxan, je sais pas comment ça se lit, M4X3N2S, qui a ce bon prime, bienvenue. Alors rappelez-vous, est-ce qu'on s'était arrêté la dernière fois? On avait des choses à faire, il fallait qu'on soit charismatique face aux oiseaux, donc ceux qui n'ont pas vu le premier épisode déjà, ils sont perdus dans ce que je viens de dire à l'instant. Omori, tu es juste là... Je ferme la musique, je coupe mon micro, oui, il est tôt, et pourtant... Ah ouais, pas mal. Le jeu s'ouvre, je me mets en game ici. Merci Newidi qui arrive pour son deuxième mois. Voilà, créé par Omocat. Et donc, le message de prévention qu'on va relire, s'il vous plaît, tous ensemble, et qu'on va surtout prendre en compte, enfin, moi, j'en ai pas besoin, mais vous le prenez en compte, s'il vous plaît. Attention. On a combien de rediffs de YouTube là actuellement? On est à 2 minutes 43, donc c'est bon, ça devrait pas être démonétisé. Alors attention, ce jeu contient des représentations de dépression, de suicide, et peut ne pas être adapté à toutes les audiences, d'accord? S'ils mettent le message, c'est qu'il y a une raison. Il contient aussi des images lumineuses clignotantes pouvant causer du malaise et ou des crises d'épilepsie à ceux atteints d'épilepsie photosensible. Ce jeu est donc destiné à un public averti. Je rappelle même que ce jeu, qui est sorti pas que sur PC, hein, sur d'autres plateformes, il est PEGI 18. Hein, d'accord ? Dans tous les cas, il est PEGI 18. Je suis désolé, j'ai besoin de moucher. Donc PEGI 18, chose qui dénote complètement avec tout ce qu'on a vu du jeu jusqu'à maintenant, très coloré, très enfantin, très mignon, très, très amusant, très rigolo. Voilà, patch FR V1.1.0, patch à jour. On va donc continuer. Nous étions donc à 3h36 de jeu, on était niveau 8. Alors évidemment, je le rappelle une dernière fois s'il vous plaît, ça me paraît évident. Mais pour certains, peut-être ça ne l'est pas. Ne spoilez pas dans le chat, je vous en supplie. Taisez-vous, ne dites rien. Ne montrez pas que vous êtes meilleur que les autres parce que vous connaissez déjà le jeu, vous connaissez l'histoire. Ah, moi je sais ce qui va se passer, préparez-vous, vous allez pleurer, tout ça. Rien de tout ça dans le chat. Je vous en supplie. Pour moi, pour le chat, pour les modos, pour tout le monde, laissez-nous profiter, découvrir et kiffer l'expérience. Pas de spoil, pitié, pas de spoil. On y va. Et c'est pareil hein, pour les commentaires YouTube, évidemment. On avait un bouton pour courir, c'était celui-ci. Alors, il y avait deux trucs qu'il fallait que je fasse. On venait de rentrer dans la décharge. On était dans un nouvel endroit, ok. Mais moi, je me souviens, je m'étais dit, on va s'arrêter dès qu'il y a les oiseaux, tatata, ok. Mais je me souviens qu'il fallait que je retourne au corbeau, parce qu'on avait découvert une strat, un bouton qui était ça.
de choisir qui était le chef de l'équipe. On pouvait choisir que le chef ce soit elle, que ce soit lui, que ce soit lui ou que ce soit moi pour le coup. Et chacun a... la fille par exemple, elle pouvait casser des gros blocs. Le garçon en pyjama, il était charismatique. Et maintenant je comprends pourquoi les oiseaux me disaient revenez quand vous serez plus charismatique ou je sais pas quel mot exactement ils avaient employé. Hop, on va récupérer ça, des piles mortes. Je me souviens aussi qu'il y avait un objet qui me demandait des piles. Ça, on peut couper ça avec le couteau. Une pièce d'ordinateur formidable. Là, on a une pastèque. Il y a surtout un ennemi. Un soda à la carambole. Et il m'a attaqué. Oui, on m'a dit aussi, ça serait bien que tu XP un petit peu. T'en auras forcément besoin. Vu qu'on est dans les poubelles à chaque nouveau combat, quel, il fouille dans les déchets. Et il trouve toujours des petits objets. C'est formidable. Ah, j'avais oublié un mécanisme du combat qui est très très chouette. On va donc attaquer. Oui, lui, il a une strat qui fait qu'il envoie sa balle sur quelqu'un. Soit ça lui change son état, soit il re-attaque une deuxième fois. Bref, bon. Un combat tout seul, on gagne des palourdes. Les palourdes, c'est la monnaie de jeu. Aubrey est monté niveau 9, Héros est monté niveau 8. Il a pris Charmé. On découvrira au prochain combat ce que c'est cette attaque. Hop, on va donc continuer un petit peu ici. Là, il y a une ouverture. Oh, on peut monter là ? Ça ne sert à rien de monter là. Pour l'instant, en tout cas, ça ne sert à rien, je crois. On récupère ici un papier bulle. En haut, il y a une espèce de petite machine. Le chat, au fait, le chat. Le son est faible. Alors déjà, c'est toi qui es faible. Allez, je te le monte un petit peu. Voilà, j'ai augmenté un petit peu le son du jeu, si jamais. Il faut encore l'augmenter. Une bouteille en verre, vous me le signalez. On va aller là-dedans, vite fait. Est-ce que j'ai... Oui, on ne peut sauvegarder qu'à partir du pique-nique. À partir du pique-nique, ok. J'ai l'impression... Et là-bas, c'est quoi? Oh, gros combat qui va se lancer. Aïe, qu'est-ce que c'est? Le son est bien? Ça va? Le son est correct, là? Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ton problème? Eh bien, tu sais quoi? Son point faible se trouve sur sa tête. Je pourrais les reconnaître entre mille. Essayons de jeter quelque chose dessus. Je suis sûr que ça va marcher. Hey! J'ai pas allumé mes petites lumières qui sont à côté de moi d'habitude. Je les ai oubliées. Pour faire une meilleure ambiance. Hop! Là, elles sont pas allumées. Là, elles sont allumées. Ah, j'ai oublié les allumer aujourd'hui. Ce sont des choses qui arrivent. Oui, c'est le genre de petit détail que je rajoute pour que le stream soit plus agréable à l'œil. Voilà, c'est rien! C'est rien! C'est rien! Vous laissez un pouce bleu si vous êtes sur la rediff pour me remercier. C'est rien! C'est rien du tout. Il y aura une rediff sur YouTube, bien sûr. Tous les lendemains de stream à 11h du matin, il y a une rediff. Sauf si le stream, je veux pas le mettre en rediff, mais en général, 99% du temps, c'est ça. Essayons de jeter quelque chose dessus, je suis sûr que ça va marcher. Ah, et donc on va se mettre là-haut. Cette plateforme ressemble à un super endroit pour lancer des trucs. Touche-moi, Omori. Ah bon? Je m'en occupe. Alors, touche-moi, qu'il dit. Donc lui, il va avoir un pouvoir. Vous allez toucher quel? Il va avoir un pouvoir, donc, de jeter des trucs. Pas mal ça, strat, impeccable, t'as géré. Et là-dedans, nous avons probablement la suite du jeu. On a obtenu une canette. Alors attends, parce qu'il y avait un autre chemin. Hein. Ouais, je crois que je vais aller sur l'autre chemin, d'abord. J'ai envie de faire le jeu dans l'ordre. Ah oui, ça c'est pour moi. Faut que je me réhabitue un petit peu avec les touches. Vas-y, tu peux couper. Un élastique, formidable. Donc. Bonjour. Over. Over. Très bien. Donc j'ai bien fait de venir là. On m'appelle Eprojectile. Comme un épouvantail. Eprojectile. Je suis coincé dans le sol. Jette des trucs sur moi. Et oui, un bruit étrange. C'est pas drôle ? Revenez un autre jour et réessayez. Vous pouvez arrêter maintenant. Mais il en a plein.
ça commence vraiment à me faire mal. Et là, on lance la route génocide, en fait. Arrêtez, s'il vous plaît. Ok. Mais du coup, il y a une réserve de bruit. Et lui, il a une réserve d'objets à lancer aussi. Si vous n'arrêtez pas maintenant, je vais devoir faire appel aux autorités. Je suis très méchant. Mais je suis passionné des petits bruits, là. Arrêtez par pitié. Je vous le demande poliment. Moi, j'attends surtout le bruit du P. Tant qu'il n'a pas fait le bruit du P, je m'arrête pas. Arrêtez. Arrêtez maintenant, je vous le dis. Les mots ne valent rien pour toi, ce que je vois. Tu vois, c'est très un humour à la Undertale, pour le coup. Je me souviens de l'époque où les gens avaient l'habitude de m'écouter. Tu sais, au lycée, tout le monde me charriait parce que j'avais pas de jambes. Ils disaient des trucs du genre « Oh, regardez, c'est E-Projectile, planté au même endroit, comme toujours. Utilisons-le comme une cible d'entraînement. » Ah, on l'a déjà entendu ce bruit. Oh, les enfants sont si méchants, genre vraiment, vraiment horribles. Hé, t'es juste en train de me jeter des balles. De quoi j'ai à me plaindre même? C'est rien comparé à ce que j'ai dû endurer. À votre avis, ça peut durer combien de temps, là? Le fait qu'on fasse ça, là, et blabla. Ça vient toujours petit à petit, tu sais. D'abord, c'était des élastiques, et puis après, des ballons en caoutchouc. Une fois, un môme m'avait même jeté un bureau dessus. Ouais. C'est vrai, je me suis pris un bureau en pleine figure. J'avais l'habitude de dire que si je pouvais survivre à ça, je pouvais survivre à tout. Maintenant, voyons, si j'avais des mains, on pourrait jouer à la balle. J'ai peur que ça puisse durer très 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 longtemps en fait. Vas-y, lance-moi la balle, je vais essayer de l'attraper. Mazette, on dirait qu'elle a glissé à travers mes doigts. T'inquiète pas, je la rattraperai la prochaine fois. Oh, je l'ai presque eu cette fois. C'était pas loin, vous avez vu? Alors, réessayez. Ah, sérieux, la bonne époque. Oh! C'est fini. Se pourrait-il que je n'ai pas de vrais bras non plus? Je me le demande. Ah non, c'est pas fini. J'aimerais pouvoir bouger. Il commence à me faire de la peine un peu. Hein. Non pas que je lui balance des trucs à la gueule depuis un quart d'heure. Je pourrais voyager à travers le monde, me caser avec quelqu'un que j'aime, fonder une famille. Non, c'est dangereux de rêver si imprudemment. Pourquoi dois-je être coincé ici? N'ai-je pas le droit d'avoir quelque chose de bien? Pourquoi le destin est-il si cruel? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? C'est pas juste, je déteste ça. Quelle est cette sensation? Je pense que je pleure. Est-ce que je pleure? J'ai pas de conduit lacrymo, donc je ne pourrais pas dire. Oublie tout ce que je viens de dire, ok? J'ai obtenu un succès. On m'appelle les projectiles, je suis coincé sur le sol, jette-moi des trucs, je ferai un bruit. Ah, c'est fini! Ok, on a fait le tour, ça y est. On a eu tous les dialogues. On a obtenu un succès Steam. Chouette! Cool, 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 cool. Bon, ça valait le coup de... d'insister. Petit combat. Il trouve quoi? Il trouve une canette. Allez, on va tous l'attaquer, lui. Tu vas passer à héros. Comme ça, la balle, elle revient et tu rattaques les deux en même temps. C'est pas mal, ça. Toi, tu attaques lui. Lui, il t'attaque lui. Lui, il attaque moi. Toi, tu attaques lui. Normalement, il meurt. Il meurt. Et toi, ton attaque va passer sur lui. Et on va repasser chacune des attaques là-dessus. Et ça devrait normalement le faire. Ouais, il a pas eu le temps de nous attaquer. Impeccable. Alors, tu as obtenu une bouteille en verre. Formidable, je peux pas sauter là. Hop, pas fait exprès d'appuyer sur la gâchette, pardon. Je peux pas sauter. Là-haut, là on a quoi? On a une autre pastèque. Mais allez, on va la chercher. On va faire le plein d'objets, on fait les combats, on fait un petit peu d'XP.
spam comme ça. Merci la camionneuse qui a sub en Prime pour la première fois de sa vie, bienvenue. Merci Shizu Cook qui arrive sub pour son deuxième mois. Lois That's Guy qui arrive sub pour son sixième mois, merci beaucoup. AquaBlue61, merci pour le sub offert. MimiWolf34, merci pour les 26 mois de resub. Neweddy, merci pour les 2 mois de resub. Merci beaucoup. Oh, j'ai pas appuyé. Allez, ça va le faire. Ouais, comme je lisais les subs, j'ai pas forcément profité de la bonne attaque. Au niveau des PV, ça va, sauf Kel, qui est un petit peu en dessous de ça. Après, on a la... Le pique-nique qui est pas très loin pour se remettre fou là dans tous les cas. Allez, parfait. Tu as obtenu des confettis, formidable. En bas on y est allé à l'instant. Tu vas refaire le plein de PV, c'est vraiment juste à côté pour le coup. C'est juste là. Autant en profiter, ça prendra que quelques secondes. Voilà. Impec. Et pas forcément même besoin de sauvegarder ou quoi, hein. On est juste à côté. On n'a rien, on n'a pas vraiment avancé plus que ça. On n'a pas combattu de vrai boss encore ou quoi là, ce soir. On va descendre là. Ça, on peut pas péter ça, hein. On peut pas y aller. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est un ennemi, ça, attention. Esquive un petit coup, là il y a un objet. Tu as obtenu un élastique. Ouh, faudrait... ça commence à être un petit peu labyrinthique tout ça. Donc j'apparais de l'autre côté, nice. Là il y a rien là-dedans. Et ça c'est quoi ça? Ouh, faut pas que je me perde. Hein. On a beaucoup de choses à visiter un petit peu partout. Qu'est-ce que c'est? C'est un morceau de fromage? C'est un fromage? Ça craint, j'arrive même pas à amocher ce truc. Attends une seconde, c'est du fromage, n'est-ce pas? Oui, t'as raison. Logique. C'est du fromage. Ok les gars, écoutez-moi. Ça peut être fou, mais... Et si... On le mangeait? Moi, je serai à ta place, je serai là, je dirais on le mangeait. Et si on mangeait le fromage? Si on commençait tous maintenant, on pourrait probablement finir ça en quelques heures. Écoute mec, on va se faire une tartiflette accompagnée d'une raclette sur un coulis de fondu, le tout sur une pizza 4 fromages à base de pâtes de fromage avec un bon verre de fromage. Et en dessert, fromage garni au fromage. Le tout dans un fromage au four, bien sûr, évidemment, ça va de soi. Juste un avertissement, par contre, le fromage, ça me rend un petit peu ballonné. Burk Kel. Attends Kel, il n'y a pas besoin de ça. Je pense que j'ai la solution parfaite. Touche-moi au Mori, je sais exactement comment gérer ça. Voyons voir ça. Aubrey a touché héros. Il a sifflé. Il a un ami hamster souris. Il s'appelle... Il ou elle s'appelle Ems. Comme les M&M's. Bonjour les amis, c'est moi, Ems, E-M-S, l'humble hamster affamé. Oh. Et oui, waouh, tout ça pour moi, mais quel régal. C'est Gundam le mec, tout à fait, oui. Comment saviez-vous, oui, c'est vrai, comment saviez-vous que le fromage était mon plat préféré? C'est vrai ça, comment on a pu deviner une chose pareille? J'ai pas besoin de deviner, Ems, tout est ton plat préféré. Belle façon de vivre ça. C'est quoi ton plat préféré? Tout. Oh. Tout le monde, voici Emily le hamster, mais je l'appelle juste Ems. Emily le hamster, Ems. C'est une bonne amie à moi. Tu sais quoi faire, Ems? À qui le dis-tu? C'est comme si c'était fait. Tu m'en laisses un petit mot? Bon. Waouh! Comment tout ça arrive à rentrer dans son corps? C'est vrai? Ça me dépasse, je préfère ne pas y penser. C'était incroyablement satisfaisant. Si jamais vous avez besoin d'un service d'engloutissage de fromage géant, vous savez qui appeler. Au revoir les amis. Ben, c'est bon à savoir. Je m'attends pas à ce qu'on retombe sur des fromages géants comme ça, mais c'est bon à savoir. Ok, c'était bizarre.
C'est lui qui a parlé. Très bien. Pardon, je confonds toujours le bouton du menu et de la course. Et j'en viens à me dire que c'est peut-être là la suite du jeu, donc il faudrait peut-être que je revienne un petit peu en arrière. Parce qu'on n'a pas tout vu là-haut. Déjà, là-haut, il y a quoi? À part un ennemi, d'accord, il y avait une confiture de vie. Oh, c'est bon ça, la confiture de vie, ça permet de réanimer quelqu'un. Là, on a quoi? Ah, je crois que c'était une sortie. Ah, là, il y a un truc qui brille. Des osselets. Si jamais ça m'arrive de passer à côté d'un truc qui brille comme ça, juste à côté que je le loupe, vous pouvez me le dire, d'accord? Ça, c'est pas du spoil. Alors là... Oh! Ah oui, c'est vrai, faut que je sois Omori... Non, Omori, j'ai dit... Ah, je me suis trompé. Omori, donc... Il pète ça... Et ensuite, c'est la fille qui pète ça. Elles sont trop mignonnes, ces images. Et il y a un truc qui flotte qu'il va peut-être falloir qu'on fasse tomber plus tard. Une pastèque bleue, un ballon météore, donc on a bien fait de venir là. Quoi, truc qui... Ah putain, oui, truc qui brille. Oh, putain, quel hasard, je déconne pas. Vous avez trouvé un bonbon. Je l'avais vraiment pas vu pour le coup, putain, mais j'ai bien... Quel hasard, je vous le demande alors. Allez, combat. Ouh, il y a plusieurs... Il y a beaucoup de monde là. Donc toi, tu fais la passe aéro, comme ça, tu attaques les deux à la fois. Quand il est bleu, il a un petit peu plus de vie, j'ai l'impression. Ouais, sa défense augmente quand il est bleu, le personnage. Rappelez-vous, en bas à gauche de votre stream, vous avez le pierre-feuille-ciseau de Omori qui vous permet de savoir qu'est-ce qui est supérieur à quoi. Allez, on va pouvoir tous attaquer, on n'a pas perdu un pet de vie pour l'instant, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Merci Miyuka qui arrive seul pour son quatrième mois. Après plusieurs minutes de galère, j'ai réussi à me réabonner avec mon Prime. J'ai réussi à te connecter, toutes mes félicitations. Bravo et merci. Quel est niveau 9? Elle a appris Run and Gun. Je note. Là, il y en a un. Du popcorn. On va aller. Là, il y en a un aussi, là. Un smoothie à la banane. Et là, il y a une sortie, d'accord. On va plutôt aller là-haut. Des jumelles. Ah, il y a aussi une sortie là. Oh là là, il y a tellement de choses à voir partout. Je vais d'abord aller là. Une pastèque. Donc j'ai bien fait un hot dog, j'ai bien fait de venir là pour le coup. Il n'y a pas d'autre endroit. Au moins, je me sens satisfait de me dire qu'on a vraiment visité un petit peu partout. On est sûr d'avoir rien oublié. Je pourrais descendre là, mais pourquoi faire? Rien. Aucun intérêt. Là-haut. Oh, on va pouvoir s'asseoir pour regarder le soleil et devenir aveugle, trop bien. T'as entendu parler du restaurant sur la lune? Oui, du coup, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, j'ai oublié de le dire. Trouver du fromage sur la lune. Ah, c'est pas si déconnant. Il y a une bonne nourriture, il y a de la bonne nourriture, mais aucune atmosphère. Mais attends, j'ai pas la blague là. Seulement tu avais un carnet de blagues pour les répertorier. C'est pas la première fois qu'on me dit ça. Tu as entendu parler du restaurant de la lune? Il y a de la bonne nourriture, mais aucune atmosphère. D'accord, c'est vraiment la compétition des blagues nulles. C'est pas une blague. Veux-tu t'asseoir ici avec tes amis? Oui. Et on meurt. La lune a l'air gigantesque ici. Ah, mais c'est la lune! C'était pas le soleil. D'accord, ok. Et on n'est pas sur la lune. Ça y est, je confonds tout. La lune a l'air... Ouais, avec les histoires des pirates de l'espace, je me suis un petit peu embrouillé l'esprit. La lune a l'air gigantesque ici. C'est le plus bel endroit que j'ai jamais vu. Mais il y a tellement de déchets éparpillés partout. Comment tu peux dire que c'est beau? Aubrey, Aubrey, ne sois pas si rabat-joie. Vois le bon côté des choses. Tu sais ce que je dis tout le temps. Il suffit de se réveiller et de sentir les roses. Tu dis pas ça tout le temps. Et c'est fini. Et l'autre, il mangeait du pop-corn. Il se le lançait dans la bouche. Alors, on va donc repartir là où Ems a bouffé le fromage. Yes, je l'ai esquivé. Hé, il m'a pas vu venir. Attends, et on avait tout vu aussi là-bas? En bas? On avait tout fait là ou pas? Et non, on n'était même pas à la droite maintenant que j'y pense. Merde, attends. Tu as obtenu un ramen qui était dans les toilettes, bien sûr. Combat contre le gros avion, là. Donc, on va... économiser les attaques pour lui lancer une méga attaque.
Merci Diaz22Z qui a sub en Prime pour la première fois de toute sa vie. Bienvenue. Merci ShoYanMi qui a resub pour son 9e mois. Merci RetaWax pour les 14 mois de resub. Merci SCPRROFNT qui a resub pour son 3e mois. On en parle que le fromage c'est littéralement de la pourriture. Tu peux en parler autant que tu veux, ça ne me dégoûtera pas. J'ai l'impression qu'on va pouvoir le tuer en un coup, donc je le tue en un seul tour, je veux dire. Antea776, merci pour le Prime. Pour la première fois de ta vie, bienvenue. Merci AnaïsKim22 pour les 34 mois de resub. Dans 2 mois, les 3 ans, ça passe si vite. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Ben, merci beaucoup pour ce soutien et cette fidélité pendant autant d'années. Merci beaucoup. Merci Romanouk qui a resub pour son 11e mois. Attention, on passe par là. Merci Miss Louve Off qui a resub pour son 27e mois. Et maintenant, on va continuer le jeu. Et enfin, merci à Orest qui a resub pour un instant pour son 28e mois. Feu ! Comment est-on censé trouver quoi que ce soit là-dedans ? Il y a bien trop d'ordures. Attends, on était en train de chercher quelque chose. Oh, je me souviens de l'histoire de pile, mais je me souviens plus s'il devait chercher quelque chose en particulier. Oh, 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 oh ! Enfin ! Je l'ai enfin trouvé ! Après des heures interminables à creuser et à creuser, cette cassette spéciale unique en 100 genres et ultra exclusive. Ah, on cherchait une cassette de musique pour l'autre qui... Pour le capitaine, je crois, ou un truc comme ça, non ? Rosa, le fan numéro 1 de Choupette au monde. Avec cet ajout exceptionnel à ma collection, je vais enfin surpasser tous ces frimeurs bidons. Attendez. Oh non, cette cassette spéciale, elle sent le popo. Sniff sniff. Oh non, je sens le caca. Attendez, est-ce qu'elle vient de dire qu'elle a trouvé une cassette spéciale ? C'est ce qu'on recherche. Ah ouais. Allons la récupérer. Je peux entendre tout ce que vous dites, vous savez. Et comme je le craignais, posséder quelque chose d'aussi précieux m'attire déjà des ennuis. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes jaloux ? Cette cassette spéciale est à moi. Je ne vous la donnerai jamais, ni maintenant, ni jamais. Et on n'a pas fait tout ce chemin pour rien. Si tu ne nous donnes pas cette cassette spéciale, on va devoir la prendre de force. Burk, quel comportement de sauvage ! La violence n'a jamais résolu quoi que ce soit, vous savez. Je suis bien trop raffiné pour ces sottises. Adieu, plébéien, plébéien. Et à jamais. Attends, reviens là ! Dépêche-toi, Omori, poursuivons-la, on ne peut pas la laisser s'échapper. Oh, la musique est accélérée, qui me fout un coup de pression. Vous ne m'attraperez jamais, les maigrichons. Alors attends, j'en profite. Une petite canette. Ah mais il a sauté. Bah attends, comment j'accède à cet endroit là? Ah putain, il y a une échelle. Ah, bien vu. Ok, attends, j'en profite, je vais aller là. Un nuage de pluie. Un ramen, évidemment. Hein. Toujours les ramen dans les toilettes. Il a descendu, je crois. Tiens, j'en profite aussi un petit peu pour ça. Je crois qu'il faut que je l'intercepte fort. Hein. Là où on a tout vu. Oh, je m'attendais pas à ça. Il y a une sauvegarde là, d'ailleurs. On va se requinquer. On va prendre le pique-nique. Et on va sauvegarder. Et ensuite, on va le capturer. Je vois que vous vous occupez bien. J'espère que vous vivez tous une aventure amusante. Si jamais vous vous sentez fatigué, n'oubliez pas que vous pouvez toujours vous reposer à mes pique-niques. Une grande sœur est toujours préparée. Le panier pique-nique de Marie, oui, je souhaite sauvegarder. Mais on n'a pas fait de pique-nique. On n'a pas eu ce moment de où on parle avec les autres comme on fait d'habitude. Je suis très déçu, je pleure actuellement. C'est bon, j'ai fini de pleurer. Est-ce qu'il y avait autre chose que j'ai pas vu, par exemple, à gauche, là? J'y suis pas allé à gauche. Ah si, c'est complètement par là où je suis arrivé, en fait. Donc c'est bon, on a tout vu, on va pouvoir partir sur l'écran du bas. Continuer à chercher notre futur meilleur ami. Qui va nous donner la cassette. Ne pas traverser 404, comme l'erreur 404. Rosa, on t'a enfin attrapé. Rends-nous cette cassette spéciale, maintenant. Qu'est-ce qu'elle a? Oh, 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 Rosa, tu nous entends? Ah, tiens. Je me demande pourquoi elle ne répond pas. Allons voir ça de plus près. Est-ce que c'est parce qu'il y a plein de télé, elle est genre hypnotisée, ou... Elle est bloquée, un truc comme ça? Oh! Téléchargement en cours, attaque.homo. Oh! Oh! On se bat contre un programme?
Eh, c'est l'arrière-plan Windows qu'il y avait sur les planètes de la semaine pendant des années derrière en arrière-plan, j'aime bien. Ok. Ok. Bon, mais on va prendre ça au sérieux, donc on va faire des grosses attaques qui font mal, genre poignarder pour commencer. Alors, elle avait un nouveau truc. Ah, mais elle a pas d'équipé. Donc elle fait le coup de boule, bien sûr. Toi, le run and gun, inflige des dégâts en fonction de sa vitesse, au lieu de son attaque. Bah, c'est quoi tes stats? Mais pas toi tes stats, du coup. On va l'essayer. Et toi, aptitude... toi, tu vas attaquer... Agis en premier un ennemi cible héros pour un tour. Oh, la musique, elle fait flipper. Tu vas attaquer normalement, toi. Attends, est-ce que je l'ai fait attaquer normalement? Non, j'ai pas l'impression, je me suis peut-être trompé. Le coup de boule, paf, dans ta tête, j'en frappe le micro. On garde nos pouvoirs pour tout à l'heure. Et il a pas l'air de nous attaquer plus que ça. On lui a enlevé pas mal de vie pour l'instant. S'il nous attaque pas, on va pas pouvoir augmenter notre barre de puissance. Hein. La fenêtre est toujours bloquée à 99. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On lui a déjà enlevé la moitié de sa vie. On va tout faire pareil encore? Tout le monde poignarde son ordi, pas vous. Écoutez, pour l'instant... Ah, mais elle se prend des dégâts à chaque fois qu'elle frappe, elle. Je le remarque que maintenant, tu sais. Oula. Ouf. On a pris cher. On a pris très cher. On a pris très très cher. On va lui attaquer fort. Toi, tu vas attaquer fort. Et toi, par contre, tu vas... Et tu n'as pas de pouvoir pour soigner quelqu'un. Donc on va... Eh oui, mais non, on va faire la confiture de vie sur toi. Mais tu vas pas le faire en premier, j'ai l'impression, malheureusement. Ah, j'ai pas encore l'énergie pour faire ça. Merde. Oh, oh. Ah, mais alors, il va... Ok. Oh, il a plus de vie. Là, on le termine, normalement. On devrait le terminer, je crois. Je prends un risque. Hein. Coup de boule. Ok. Et... C'est pas une attaque qui fait un peu mal, toi? Ouais, non. T'as pas d'attaque qui fait plus mal que ça. Donc, tu vas attaquer normalement. Ok, on l'a eu. On l'a eu. On a gagné 404 XP. C'était le numéro qu'il avait écrit tout à l'heure. Tu as obtenu 42 palourdes. Donc ça fait des petits jeux de mots, évidemment, des petites références à 404, à 42. Qu'est-ce qui... Mec, j'en ai chié ici, je chiale. Ah ouais, Maryse? Peut-être que t'as pas pris le temps de XP, alors. J'ai pas trouvé que c'était très dur, plus dur que ça, en vérité. Wesh, moi, ça m'a pris 30 minutes à le battre. Quoi? Mais qu'est-ce que vous racontez? Mais c'était pas le dieu, c'était pas compliqué du tout, il m'a jamais attaqué une seule fois. Montre tes levels, je crois qu'on est level 8 ou 9, un truc comme ça. Voilà, Omori niveau 10, il a appris de tailler. Niveau 9, ouais, 8, 9 et 10. Succès déverrouillé, Alt F4. Non, j'ai pas trouvé qu'il était dur. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'en fiche, on doit récupérer cette cassette spéciale. Tu as pris la cassette spéciale de Rosa. Non, mais y'a tout le monde dans le chat qui dit ça m'a pris longtemps et tout. Ça veut dire que tu es en route génocide, tu one-shot tout le monde, mais ouais, c'est ça. Que diable s'est-il passé? C'est à moi, rends-la moi. Pas question, qui va à la chasse perd sa place. On va la remettre à la radio-cassette. Du petit ami spatial à sa place. Hmm? Petit ami spatial, tu dis? Oh oh oh! Oh, petit ignare, n'as-tu pas entendu les dernières nouvelles? Tu sais d'une source très fiable, que petit ami spatial et Choupette ont rompu depuis longtemps. Pourquoi croyez-vous que cette cassette spéciale se trouve dans la décharge en premier lieu? C'est parce que petit ami spatial l'y a jeté lui-même! Petit ami spatial a jeté la cassette spéciale de lui-même? Oh, c'est pas bon. Mais si petit ami spatial et Choupette ne sont plus ensemble, comment va-t-on réveiller petit ami spatial? Le futur de la glorieuse coalition des pirates de l'espace dépend de nous! C'est votre problème, ça, pas le mien.
Attends une seconde, comment est-ce qu'on peut être sûr que t'es pas en train de mentir? Tu pourrais juste dire ça pour récupérer la cassette spéciale. Eh bien, jamais. Je suis peut-être insolente et prétentieuse, mais je ne suis pas une menteuse. Comme si on allait te croire. Je pense qu'on va juste garder cette cassette spéciale et voir par nous-mêmes. Maintenant dégage, hideuse créature végétale. Hideuse, ça s'écrit avec un H, hideuse, putain je... C'est tellement un mot que j'ai jamais écrit de ma vie. Je crois que j'ai jamais écrit le mot hideuse de ma vie. Hideux, hideux. Ah oui, hideux. Hideux, hideux. Ah ouais, j'en sais rien. Ouais. Ah, ça me saute aux yeux, tu vois. Va embêter quelqu'un d'autre. Quelle horreur, si vulgaire. Oui, c'est vrai que c'est pas très gentil. Tu vas me le payer, imbécile, tu peux le croire. Tu peux me croire. On repart sauvegarder et se remettre de la vie un petit coup, hein, évidemment. Parce que c'est juste à côté, autant en profiter. Et on va aussi en profiter pour refaire un petit tour dans nos attaques. Parce que tout le monde a un peu monté de level et a appris des nouvelles attaques. Donc ça pourrait être bien de bouger un petit peu les aptitudes de chacun. Ça, toi, t'en as pas de nouvelles. Toi, t'as appris... Tailler, je crois. Tailler, c'est quoi? Alors, tranche... Attends. Ok, si cette compétence achève un ennemi, gagne du pain, on s'en fout. Attaque, 3 fois, frappant des ennemis aléatoires. 3 fois... Ah, c'est pas mal, ça. Ok. Donc, on va gagner poignardé. Inflige des dégâts si l'ennemi est énervé, réduit considérablement son attaque, c'est pas mal. Agit en premier, réduisant les dégâts reçus pour le tour. Ok, pomme triste, rend ennemi triste. Ah, je sais pas quoi garder. Agir en premier, réduisant les dégâts reçus. Ouais, c'est pour encaisser une attaque pendant que quelqu'un d'autre peut me soigner, j'imagine. Inflige des dégâts si l'ennemi est énervé. Réduit considérablement. Ah, oh, c'est pas mal ça. Oh, je vais enlever de parer, tant pis. Je me suis trompé de bouton. Donc, tailler. Ensuite, nous avons. Quel? Est-ce que tu as appris quelque chose de nouveau? Non, tu n'as rien appris de nouveau. Le héros, as-tu appris quelque chose de nouveau? Remplacer. Non, tu n'as rien appris de nouveau. Très bien. Et dans les équipements, est-ce qu'on a quelque chose de nouveau? Non, la peluche, on l'avait déjà avant, donc on est bon. Donc on est bon. Allez, on sauvegarde. Impeccable. Est-ce qu'il y avait quelque chose à voir ici? À gauche, à droite, non. Très bien. On continue, on descend. Ah, et nous sommes partis sur le tapis roulant. Oula, tu peux le péter, ça? C'était en carton. C'était un faux depuis le début. Parce qu'on est déjà venu ici, je reconnais. C'est où exactement? Est-ce que là, il y a la ville à droite? Non. Bon, je reconnais, mais je sais plus exactement où c'est. Mais je reconnais. Ok, on est rentré par la décharge ici. On a la cassette, donc on n'a plus besoin de rester là. Le verre, le trou de verre. Oh oh. Qu'est-ce que... Pourquoi vous me bloquez le passage, vous là, les pirates? Pluton, sortez, sortez, où que vous soyez. On a vraiment réussi notre coup, hein, mec. Oh, il nous bloque le passage. C'est embêtant, tout ça. Oh, le combat s'est lancé, je ne le souhaitais pas. C'est pas grave, on est niveau 10. On le défonce. Je viens de finir de manger. Farod a fait les corbeaux. Non, pas encore. Je cherche le... Je me rappelle plus, hein. Je cherche le chemin qui mène aux corbeaux. Et on va faire ça. Les petits corbeaux, c'est... Bah, c'était pas là-haut parce que c'est la décharge, je sais plus trop, hein. J'ai pas la map en tête. C'était un... Oh, oh, ça a joué tout seul. Mec de l'espace, arrête-toi là. On t'a enfin trouvé, Pluton. Il n'y a pas d'issue. Ah, Pluton, c'était lui, c'est vrai. On s'est déjà combattu contre lui tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, l'autre fois, je veux dire. Oh non, mes gigantesques bras et jambes bien dessinés lâches. Je ne peux pas laisser ceci se terminer ainsi. Je dois trouver un endroit où me cacher. Hey, vous là. S'il vous plaît, prêtez-moi assistance. Oh, eh bien, mec, vite, je n'ai plus de temps. T'as besoin d'une cachette, hein. Mets-toi dans le cratère. Ah, j'en ai une. Tu peux te reposer maintenant, tout est sous contrôle. Il y avait un cratère en bas à droite. Ok, ça devrait le faire. Mec, mince, ils arrivent. Vite, tout le monde, soyez naturel. Ah, le naturel à l'état pur. Ouf, ouf, purée, on l'a perdu. Eh les mioches, on recherche une planète vagabonde très en vue et cher nommé Pluton. C'est un gars balèze, circulaire et grisâtre avec de gros muscles saillants. Il est assez dur à rater. L'avez-vous vu? Hmm.
Non, on peut pas dire que oui, hein. Vraiment ? Eh bien, c'est la vie. Allez, mon gars, continuons à chercher, on finira par le trouver. Ok, monsieur, le danger est passé. Quelle vélocité d'esprit, je suis impressionné. Vous avez mon éternelle gratitude. Quels sont vos noms, si je puis me permettre? Moi, c'est Héro, et voici mes amis Aubrey, Kel et Omori. Je vois de beaux noms pour de belles jeunes personnes. Mon nom est Pluton, et je suis une planète vagabonde. Un rebelle, si vous voulez. Je m'excuse pour vous avoir causé tant de problèmes. Mais, j'ai l'impression que servir de simple décoration de jardin n'est pas mon but. Je veux la liberté d'errer dans le ciel à ma guise, comme les oiseaux et les étoiles. Si cela fait de moi une planète vagabonde, alors qu'il en soit ainsi. Ils veulent m'appeler comme ils le veulent, tant que je peux faire ce que je veux. Ils peuvent m'appeler comme ils le veulent. Mon âme se languit de liberté. Vous comprenez, pas vrai, les enfants? Waouh, Kel, tu pleures? C'est tellement d'émotion. Je suis touché. C'était magnifique, Pluton. Tu l'as dit. Attends, toi aussi, Aubrey. Maintenant, enfin, je suis enfin libre de suivre mon rêve de toujours. Avoir ma propre compagnie de transport. Je vais l'appeler Station Pluton. Gouhaha. Cette réalisation m'a revigoré. Et puisque vous m'avez aidé d'une manière si dévouée, je dois vous rendre l'appareil. Je suis Pluton de Station Pluton désormais. Veuillez prétendre que vous venez d'arriver à une station de transport. Ok, d'accord. Bonjour, Pluton. Quand il rigole, on dirait Nekomaru. Salutations de Station Pluton. Où aimeriez-vous aller aujourd'hui, jeune voyageur? Waouh. Oh, c'était trop. Je devrais essayer d'édulcorer ça. Réessayons. Non, c'est pas grave. On aimerait juste revenir au camp, s'il vous plaît. Donc, vous voulez aller au camp de l'autre monde? Ah, ma première requête. Comme c'est palpitant. Oh, ça arrive. Gouhaha! Un voyage vers le camp de l'autre monde, je vous apporte ça tout de suite. Je ne vous décevrai pas, jeune voyageur. Laissez-moi faire le reste. Tout le monde est... Tout le monde est bien attaché? Attends, je suis pas encore prêt, moi. Décollage imminent. Salutations et bienvenue à la station Pluton. Où votre voyage vous mènera-t-il aujourd'hui? Ah, c'est une manière de se déplacer plus vite sur la map, du coup, c'est bien. Vous voulez donc aller à l'autre monde? Compris. Maintenant, asseyez-vous, détendez-vous, pardon, et profitez du voyage. Regarde celui qui est accroché au pied, il me fait trop de la peine. Hein. S'il tombe, là, c'est fini pour lui. Hein. Gouhaha. Alors, comment était ce voyage en douceur? Environnement confortable et musique relaxante, je lui mettrai 5 étoiles sur 5. Parle pour toi. Je peux même plus sentir mes bras. Kel, je dois dire, tu as fait un excellent travail pour t'accrocher à ta chère vie là-haut. Tu as le potentiel d'être très fort. Laisse-moi t'apprendre une aptitude qui pourrait être utile à l'avenir. Répète après moi. Quand je contracte, je me sens max. À toi. Et quand je contracte, je me sens où? Max? Waouh, c'était incroyable, je suis gonflé à bloc. Donc c'est une aptitude qui lui permet d'augmenter son attaque, j'imagine. Ça pourrait s'améliorer. Mais nonobstant cela, tu as absolument le pouvoir au sein de toi. Prends cette leçon et utilise-la bien. Adieu les enfants, à la prochaine. Et qu'elle a appris contracter. On va aller voir ça tout de suite. Augmente les dégâts et la précision de la prochaine attaque. Ah, de la prochaine attaque seulement. Inflige des dégâts à tous les ennemis. Inflige des dégâts en fonction de la vitesse ou de son attaque. Faudrait que je connaisse d'ailleurs sa vitesse. Comment je peux savoir ça, moi? Aptitude? La vitesse. Ah, mais la vitesse, c'est dans le cas où je suis, par exemple... heureux. Être heureux, ça augmente ma vitesse, d'accord. Prends un ennemi énervé. Bon, je vais enlever dans ce cas... Paré. Et je vais mettre... Augmente les dégâts et la précision de la prochaine attaque. Quoique... Non, je préfère parer le coup, plutôt.
Pour l'instant, je vais pas toucher ça. On va sauvegarder. Et on va aller voir les corbeaux maintenant. Depuis le temps que ça fait une semaine que je vous dis qu'il faut qu'on fasse les corbeaux. Même si je sais plus exactement où c'est. C'est complètement là. C'est complètement là à gauche d'ailleurs. Formidable. Donc je mets en premier Monsieur Charisme. Est-ce que les ennemis sont revenus depuis la dernière fois? Oui, ils sont là. Oh. Salutations, mon ami Plumé. Souhaites-tu que je te ramène à Monsieur Épouvantail? Il n'en peut plus d'attendre d'être à nouveau avec toi. Quoi, quoi? Ah oui, cela me serait immensément désirable. Allez, on en a trois à récupérer comme ça. Hop. Allez, on va tâcher de pas se tromper. Ronge. Oh, à moins qu'il faille que je les amène un par un. T'en es pas un, toi. Mince. Je sais que j'ai laissé mon dodo quelque part dans le coin. Non, tu n'en es pas un. Mais je ne me souviens pas avoir parlé à vous. Ce ciel n'est-il pas beau? Il est bon de savoir que bien d'autres ici partagent le même point de vue. Je sais plus si on leur a déjà parlé à eux. Les deux autres corbeaux restants. Il y en a un qui est tout à gauche, qui est ici. Tu ne m'auras pas ennemi. Mon pote, hey, tu veux que je te ramène à ton ami Monsieur Épouvantail? Oui, 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 où est mon ami? Amène-moi à lui! Et le dernier? Eh bien, je ne sais plus où il est. Donc là, c'est l'Épouvantail. Je crois qu'il est encore plus à gauche, du coup, le dernier. Ou peut-être en hauteur. Oh, il y a une pastèque qu'on a loupée une fois. Donc, c'est ce qui sous-entend qu'on n'a pas parlé à ce perso la dernière fois. Soda à la carambole, nice. Bonjour, grande dame. Mademoiselle, vous êtes vraiment grande? Je pense qu'elle le savait. Merci, mon petit. La plupart du temps, c'est un fardeau, mais au moins, j'ai une meilleure vue des étoiles. Oh, quoi, être grand n'est pas un fardeau? Tout est mieux quand on est grand. Un jour, je serai aussi grand que vous. Ouais, c'est ça qu'elle rêve toujours, hein. Une canette. Une canette. Formidable, ça. Là, je sens bien qu'il y a un corbeau ici, allez. Pas du tout, c'est fermé, là. Hein. C'est verrouillé. Très bien. Là, je savais qu'il était à gauche. Un peu de charisme. Et là, petit gars, tu manques beaucoup à ton ami Épouvantail, tu sais. Je peux t'aider à le retrouver si tu veux. Quoi, quoi? Oui, s'il vous plaît. Si c'est pas trop embêtant, il me manque aussi. Très bien. Maintenant qu'on a les trois corbeaux, hein, si je me trompe pas, ils sont bien trois. On va pouvoir retourner voir Monsieur Épouvantail. Et lui apporter ses coupings. Là, 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 là. Mes amis, ils sont tous de retour. Je ne peux pas assez vous remercier de m'avoir aidé. Maintenant, il est temps que je m'en aille. Au revoir, aimable étranger. J'espère que nos chemins se croiseront à nouveau un jour. Oh, il me laisse un cadeau en plus de ça. Et c'est les corbeaux qui le font voler, c'est mignon. Au revoir. Bon voyage. À bientôt, peut-être. Jamais. Qui sait, peut-être. Qu'avons-nous trouvé? Tu as obtenu un trèfle à 5 feuilles. Ça sent l'objet à équiper, ça. Ah non. Ah si. Ah non. Ah si. Est-ce vraiment un trèfle à ce stade? Augmente la chance en fonction de l'énergie. Oh, j'ai les stats des gens, ça y est. Augmente la chance en fonction de l'énergie. Ah, mais il y a des armes et des... Ah oui, d'accord, c'est vrai, j'avais oublié. Inutile en combat, défense 2, papier bulle, là là là. Ok, donc pour toi, c'est pas intéressant. Ah, mais toi, ça va être très intéressant. Oh, tu passes de 8 à 10. C'est très bien. Le reste, ouais. Ah, t'as beaucoup de chance comme ça. Pas mal. J'en profite pour vérifier les autres objets. Hein. Non. Oh, les jumelles. C'est pas mal. Ok, bien ça. Après ça, ça augmente ta défense un peu. Ça augmente tes cœurs un peu. D'accord, ok. Pas mal, pas mal. D'accord, d'accord. Non, allez, pour l'instant, on va s'en tenir à ça. Et on va donc repartir sur l'aventure principale. Parce que ça, c'était la petite quête secondaire des corbeaux. Là, on a tout fait. On n'a plus rien en suspens qu'on a oublié, qui nous manque à faire. On re-sauvegarde un coup, on apporte la cassette. Et là, on a l'histoire principale qui reprend et qui continue. Ah non, c'est ça, sauvegarder. Je confonds. Et c'est Héros qui est en tête de groupe là maintenant. Donc,
Capitaine, capitaine, vous êtes là-haut. On arrive tout de suite pour vous donner la cassette. C'est parti. Merci Oreste pour les 28 mois de Resub. Merci Liménite pour les 6 mois de Resub. Merci à toi. Merci Lilou Kitsune pour les 43 mois de Resub en tier 2. Coucou Farod, c'est dingue. À chaque fois que je Resub, je réalise même pas que ça fait aussi longtemps que je te suis sur Twitch. Dommage que j'ai pas autant de temps dispo qu'avant pour suivre tes lives. Oh. Mais ça me fait quand même plaisir. Mais ça fait de la peine aussi. Mais merci. Merci Lilou. J'espère que tout va bien pour toi dans ta vie. Merci Maluo qui a sub en Prime. Pour la première fois de sa vie, bienvenue. Et enfin, merci à Gesswan qui a resub pour son 4e mois. Merci beaucoup. Eh bien, quelle surprise, vous l'avez vraiment fait, les enfants. Elle est un peu sale, mais c'est bien notre cassette spéciale. Merci beaucoup, mon gars. Avec ça, on va enfin pouvoir réveiller petit ami spatial. Qu'elle a fouillé dans ta poche et a sorti cassette spéciale. Au fait, à propos de ça, je crains qu'on ait de mauvaises nouvelles. On a entendu que petit ami spatial et choupette ont... Comment dire, rompu. Quoi? Vraiment? Pour de vrai cette fois? Oh, non, mais ça voudrait dire que... Que ça ne sert plus à rien de jouer sa cassette spéciale. Tout espoir est perdu. Hé, hey, petit ami spatial, on a récupéré votre cassette spéciale. Vous pourriez au moins nous remercier? Oh, ne soyez pas si triste, gars pirate de l'espace, c'est juste une rumeur, hein. Et même si c'était vrai, c'est pas la fin du monde. Les gens se remettent tout le temps des ruptures. Je suis sûr que petit ami spatial sera bientôt sur pied. Il a juste besoin d'un peu de temps pour se remettre. Oh, et je sais, je vais mettre sa cassette spéciale à fond dans la radiocassette. Il va forcément se réveiller avec ça. Dans ce cas, on devrait probablement se débarrasser de sa cassette spéciale en fin de compte. Ça risque d'être trop émouvant pour lui d'écouter ses chansons. Donne-la-moi, Mori, je vais la mettre à l'abri. Héros a fouillé dans ta poche. Sauf que je ne l'ai plus. Où est-ce qu'elle est passée? C'est l'autre là-haut qui est en train de la mettre. Oh, quel? Qu'est-ce que tu fais? Non! Allez, debout, petit ami spatial! Rigolote la musique. Oh oh, j'ai un mauvais pressentiment. C'est... quoi... ce... boucan... infernal! Oh, il était stylé avec sa... Oh, il est stylé! Bon sang, quel, regarde ce que tu as fait! Fouah, ayez crainte de m'avoir réveillé. Oh non, on va se combattre. Une seconde. Oui, il se téléporte, mais il est trop stylé. Il est trop classe, ce perso. Avec sa cape et tout, là. Fouah, c'est nettement mieux. Bon, où en étais-je? Je sais pas du tout si c'est la voix que je voulais lui donner, mais bon, c'est la première qui m'est passée dans la tête. C'était nettement mieux. Bon, où en étais-je? Ah oui. Pauvre fou, je dois vous remercier de m'avoir sorti de cet état pathétique. J'en avais marre de rester couché dans mon lit à faire semblant d'être malade. Comme je le dis toujours, les sentiments, c'est pour les nazes. Cette garce de choupette, elle va me le payer. J'ai tout fait pour elle, je lui ai tout donné. Tout, vous entendez? Cette petite ingrate. Ah, il a un flingue! Laissez tomber, oubliez tout ça. Je vais retrouver Choupette et je vais lui faire payer. Désolé, mais on peut pas vous laisser faire ça, petit ami spatial. Ou devrais-je dire... ex-petit ami spatial. Intéressant. Il s'appelle maintenant Ex. Vous me défiez? Et qu'est-ce que vous savez seulement? Est-ce que vous savez seulement qui je suis? Je suis le capitaine des pirates de l'espace. Je contrôle l'intégralité des planètes du système solaire et j'ai la capacité de voler à travers l'espace à volonté. Le pouvoir de l'univers entier est entre mes mains. Bla bla bla. Parlez autant que vous le voulez. On n'a pas peur de vous. Si vous avez l'intention de causer des problèmes, vous allez d'abord devoir nous passer sur le corps. Qu'il en soit ainsi. Si vous continuez d'insister pour m'arrêter, j'ai bien peur que nous allons devoir régler ça par la manière forte. Je vais tous vous affronter. Crapule terrienne. La classe. La classe. Mais il est trop stylé ce perso avec son bandeau, son œil rouge et tout là. Et moi je veux pas le taper. Il est trop beau. Il est trop stylé. On va le fracasser. Attaque 3 fois frappant des ennemis aléatoires. 3 fois, je vais voir ce que ça fait. Toi tu vas mettre un gros coup de crâne. Toi tu vas mettre le...
en fonction de sa vitesse. Ah mais du coup si c'est en fonction de sa vitesse, il faudrait qu'il ait un objet qui augmente sa vitesse, lui, maintenant que j'y pense. Quoique rebond. Non ouais, ça c'est pas mal. Et toi tu vas attaquer. Oh il attaque en premier. Il a beaucoup de vitesse alors. Ah c'est pas mal ça. J'ai presque fait 90 de dégâts. Non on va garder ce pouvoir. Qu'est-ce que je disais? Non, qu'est-ce que je pensais? Ah merde, je pensais à un truc. Je sais plus à quoi je pensais. Ouah, tailler. Ah oui, d'accord, mais ça fait super mal tailler en fait. Waouh! Il a tellement de vie! Ok. Ok, on va mourir. D'accord. Et toi, tu vas faire. Tu vas redonner de la vie à toi parce qu'elle va mettre un coup de casque qui va lui faire mal. Il a pas attaqué. Ah oui, c'est ça que je veux dire. Il attaque en premier, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de vitesse. Donc l'intérêt serait de lui baisser la vitesse. Et pour lui baisser la vitesse, il faut le rendre triste. Voilà comment on baisse la vitesse de quelqu'un. Et moi, je peux rendre quelqu'un triste avec le poème triste. Mais du coup, s'il est triste, moi, il faut que je sois énervé pour lui faire plus mal. Il faut surtout pas que je sois heureux, par contre. Mais du coup, en le rendant triste... C'est complètement bête parce que du coup j'augmente sa défense. Et il a déjà énormément de vie. En fait l'intérêt est limite de lui baisser sa défense. Et donc de le rendre énervé. Je suis pas d'accord avec tout ce que j'ai fait en fait. J'ai fait n'importe quoi. J'ai plus rien là. Oh, il a tellement de vie. Oh là là. Vivement qu'on ait une forte attaque à lancer. Ok, alors là il nous a attaqué tous les 4, et en plus pas très fort, mais ça c'est impeccable parce que ça recharge de 4 notre super barre d'attaque. J'imagine qu'à 9 ou à 10 on pourra lancer l'attaque. Ma rage ne peut pas être contenue, vous ne pouvez pas m'apaiser. Ah il est devenu énervé, mais c'est formidable, c'est exactement ce que je voulais. Alors son attaque augmente par contre, mais sa défense baisse. Il ne peut plus devenir heureux ou triste. C'est pas plus mal, parce que du coup sa défense baisse. Et notre attaque va lui faire beaucoup de mal pour le coup. Et tu vas redonner un petit peu à elle. Allez vas-y, rattaque-nous tous d'un coup, ça serait trop... Ah il a pas voulu. En fait un tour sur deux il attaque pas j'ai l'impression. Donc ça sera au prochain tour qu'on pourra lui faire bobo. Là on est bien là, on gère hein, le combat. Là on va lui faire mal je crois, je dirais. Un coup de boule encore. Tu ne peux plus, c'est fini. Ok, on est à 9. Et j'ai l'impression que ça ne suffit pas à 9. C'est pas assez pour libérer l'énergie encore. Sachant que la prochaine attaque, il va... Ça y est, plus rien. Il va pas attaquer forcément. Non, voilà. Si. Oh là, c'est bon, on est à quoi? On est à 10. Parfait. Oh non, il est mort. Mais pourquoi je peux pas libérer l'énergie? Parce qu'il est mort! Et quand il est mort, on peut pas attaquer à 4, bien sûr! Cela va de soi. Haha! Évidemment, évidemment. Donc du coup, tu vas donner une confiture de vie à lui pour qu'il revive. Mais du coup, tu vas faire ça après que Omori ait attaqué. Et donc, on pourra toujours pas faire l'attaque à plusieurs, c'est embêtant. Toi, tu vas cuisiner pour... elle. Eh ouais, il est pas encore en vie, donc je peux pas le... Ah merde. Ah, comment pouvez-vous encore bouger? Je ne vous laisserai pas me vaincre. Il est devenu enragé. C'est encore plus supérieur qu'à énerver. Confiteur de vie, il est là. On va remettre de la vie un petit peu à tout le monde. Toi, il faut que t'attaques en premier. Toi, tu vas donner un truc qui donne des PV. Pas du jus, on sent... Voilà, des cœurs. 60 cœurs. C'est beaucoup quand même, 60 cœurs. 35 cœurs. Ça doit être 35 cœurs à lui. Quoi? Attends, quoi? Attends, j'ai pas compris. J'ai dit ça, tu vas le donner à lui. Mais quoi? Ah, parce que l'objet, tu peux pas le donner à quelqu'un. Ah, oh non! D'accord, t'es obligé de le consommer toi-même. Ok, donc tu vas parer. Non, attends, je suis complètement à l'ouest. On recommence. Toi, t'attaques. Toi,
tu pars. Toi, tu vas manger un goûter. Ah, j'avais pas lu, soigne 35 heures à tous les amis. Oh, c'est très très bien ça, le popcorn. Ah, c'est très très bien le popcorn. Ok, et en plus je crois que t'attaques en premier, c'est bien. Et toi, tu vas quand même soigner... Omori, dans le doute. Il chante, on se sent... Oh, on libère l'énergie, c'est parti. C'est parti. On va voir si ça va lui faire mal ou pas. 300, hein, normalement, dans mes souvenirs. C'est ça. Hors de mon chemin, crapule terrienne. C'est votre dernière chance. Waouh, il est furieux. J'adore le style. J'aime beaucoup le style. Un peu... je sais pas comment dire. Gribouillé, un peu qui bave les couleurs, un peu saturé. Il reste encore pas mal de vie aux copains. Et on est à 0 de puissance, là. Il va falloir récupérer un petit peu de... de jus, hein, je vous le dis. On n'a pas un pouvoir qui redonne du jus à tout le monde, là, ça serait trop bien. Comme des pop-corns. Ah, soigne 20 jus à tous les amis, formidable. Soigne 40 jus à tous les amis, on va faire ça. Toi, tu vas attaquer. Toi, tu vas... Ah, bah, attaquer aussi, tant qu'on y est. Et toi, tu vas te re-soigner. Ah, Massi, c'est quoi? Rang... Retire l'émotion d'un ami ou d'un ennemi. Oh, retire l'émotion. Mais attends, c'est formidable ça si on lui retire. Agir en premier. Un ami cible héros pour un tour. Ok. Attends, ouais. Retire l'émotion. Enfin, j'espère que ça marche. Tous nos... Ok. On a tous récupéré notre jus. Ok. Il est pas mort. Il est pas mort, c'est bon. C'est bon à savoir. Ça n'a pas eu d'effet. C'est ce que je craignais, que ce soit un boss et que du coup ce soit scripté, que ça puisse pas avoir d'effet malheureusement. Là, on va l'exploser. Je vais le tailler. Toi, tu vas mettre ton meilleur coup de boule. Toi, tu vas faire run and gun. Et toi, par contre, tu vas te cuisiner un bon petit plat. En espérant qu'il ne meure pas. Ah. Ah. Ah non. Pourquoi il a ciblé? On va le tuer. Et il n'aura pas l'XP, héros. Oh putain, c'est ce que je craignais. Ah, oh, pourquoi il a fallu qu'il tape le héros en premier? Bon, j'ai tenté le coup, tant pis. Mais ça c'est parce que j'ai fait l'attaque de lui enlever son état. Alors j'aurais pu me re-soigner tout à l'heure, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Mon cœur. Ah, ça fait mal. Wouah, 1500 d'XP que je loupe. Ça fait trop chier. Tu as trouvé un cache-œil. Aubrey niveau 10, elle a pris pirouette. Quel niveau 10? Il a pris balle courbe. Oh. Et par contre, Omori, il a pas pris d'XP. Ah si, il a pris d'XP, mais il a pas monté de level du coup. Il faut cacher ma mouche. 2 secondes. S'il vous plaît, je reviens. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il s'est passé? Où suis-je? Maintenant qu'il est plus méchant, il a une voix plus sympa. Qui êtes-vous? Salut, comment vous vous sentez? Oh, bonjour, je suis le capitaine spatial. C'est un plaisir de vous rencontrer. Oh putain, ma poitrine. Oh non, vous allez bien? Vous vous êtes mis un petit peu en colère tout à l'heure, alors nous avons dû... Vous casser la gueule. Ah, je vois. Mon autre moitié a pris le dessus sur moi. Ah, bipolaire. Je me dois de m'excuser, vos actions étaient sûrement bien justifiées. J'espère juste que je ne vous ai pas causé trop de problèmes. J'ai beaucoup de mal à contrôler mes émotions en ce moment. Je fais de mon mieux pour les contenir, mais ça devient de plus en plus difficile. Choupette, elle était l'amour de ma vie. Il m'est presque impossible d'imaginer ma vie loin d'elle. J'imagine que je suis un petit peu perdu. Cette cassette spéciale est composée de toutes mes chansons préférées ainsi que celle de Choupette. J'ai mis tant d'amour à la faire pour elle. Merci à vous de me l'avoir retrouvée. Rapportée même, elle est pleine de précieux souvenirs après tout. Eh ben c'est rien, enfin pas tant que ça en tout cas. Ouais, ça nous a fait plaisir. Reposez-vous maintenant.
J'ai bien peur qu'aucune quantité de robots ne puisse guérir un cœur brisé. Je dois trouver un autre moyen de surmonter ça. Capitaine spatial, enfin je veux dire, petit ami spatial, je suis vraiment, vraiment, vraiment navré, mais j'ai une très, très mauvaise nouvelle. Votre planète préférée, Pluton, s'est échappée et nous ne la trouvons nulle part. Ne soyez pas en colère contre nous, on est désolé. Soyez gentil. Ah, mais parce qu'en fait, c'était sa collection de planètes dans sa chambre. Je vois. Ne vous inquiétez pas, vous deux. Je suis sûr que même les planètes doivent s'ennuyer à force de tourner sur elles-mêmes toute la journée. Peut-être que Pluton n'était pas fait pour être une planète. Hein ? Vraiment ? Donc vous n'êtes pas en colère contre nous ? Vous le pensez vraiment, Capitaine petit ami spatial ? Absolument. Rassemblez le reste de l'équipage. Allons au lac gelé pour manger des flocons. Me reposer dans mon lit ne guérira peut-être pas mon cœur brisé, mais peut-être que manger des flocons avec des amis pourrait m'aider. D'ailleurs, vous n'avez plus besoin de m'appeler petit ami spatial. Je suis Capitaine spatial. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire ? Wouhou ! Le capitaine est de retour ! J'ai hâte de pouvoir le dire à tout le monde. Allons-y, mec ! Je te suis mon pote. Je ne pourrai jamais assez vous remercier pour ce que vous avez fait. Qui sait ce qui aurait pu arriver à mon équipage et moi-même si vous ne vous étiez pas tous montrés ? Oh, mais ce n'est rien. Nous sommes juste contents que vous vous sentiez à nouveau comme vous-même. Vous avez mes remerciements. Si vous avez besoin de quoi que ce soit de la part d'un pirate de l'espace ou de moi-même, n'hésitez pas à le demander. En réalité, je n'arrive pas à croire que j'ai oublié ça, mais nous sommes à la recherche de notre ami Basile. Il porte une couronne de fleurs et il garde toujours son album photo sur lui. Est-ce que vous l'auriez vu par ici ? Non, j'ai bien peur de ne pas l'avoir aperçu. Mais si je finis par voir quelque chose, vous serez les premiers au courant. Basile, où a-t-il pu aller ? Sniff, 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 je pleure. Ah, ne pleurez pas, petite demoiselle. Tenez, prenez ceci. Tu as obtenu un bon flocon. Ouin. Oh oh, s'il vous plaît, petite demoiselle, ne pleurez pas. Tenez, prenez ça aussi. Qu'est-ce qui... Ah, oh, le livre des blagues ? Tu as obtenu un billet de train. J'avais l'habitude de voyager partout en train quand j'étais encore enfant, bien avant de devenir un capitaine spatial. Si même moi je peux passer de voyager en train à voler dans mon propre vaisseau spatial, je suis certain que vous allez retrouver votre ami. Ok. Capitaine, vous êtes prêt à partir ? Tout le monde vous attend. Oui, attendez-moi, j'arrive. Vous devez garder espoir, petite demoiselle. Si les choses deviennent trop difficiles à supporter, essayez de manger un flocon. Ça rendra peut-être les choses un petit peu plus faciles. Je ne devrais pas faire attendre mon équipage. Bonne chance pour le reste, et merci encore. J'espère qu'on le reverra, je le trouvais trop classe, moi, ce perso. Oh, le coussin du lit, t'as vu ce qui s'est passé ? Il était entouré d'un... Comme si le calque transparent du coussin autour de lui, il était devenu noir. Ton lien avec tes amis s'est renforcé. Les coups relais de tout le monde se sont améliorés. Ah non, regarde, il y a quelque chose qui flotte. Hein. C'est une lettre ! C'est la lettre E, j'avais oublié cette histoire ! Non, le chat, c'est pas F. Vous êtes trompé. C'était E. Bon, ça va, maintenant vous êtes à jour. Bien joué. Mais c'est la lettre E. Vous avez gardé le même réflexe de la dernière fois. Je suis fier de vous. Très fier de vous. 11 touches restantes. Trop bien. Alors attends, parce que du coup t'as obtenu une nouvelle aptitude, je crois, toi. Pirouette, Aubrey attaque un ennemi et devient heureuse. Oh, c'est pas mal ça. Tous les ennemis ciblent Aubrey pour un tour. Si Aubrey est attaqué, elle riposte. Coup de boule, on le garde, pareil, on le garde. Encourager, rend un ennemi heureux. On va enlever riposter, je dirais. Tous les ennemis ciblent, ouais, j'aime pas ça. Pirouette. Et après c'est Kel qui a augmenté de niveau, qui a pris... Balle courbe, applique une émotion aléatoire à un ennemi, ouf, inflige plus de dégâts à ceux en possédant une. Ah, je sais pas. D'ailleurs, lui, je devais lui changer l'équipement pour qu'il ait plus de vitesse. C'est qu'elle, hein, je crois, qui a besoin de plus de vitesse. Oh, ballon météore, bah, ça va être beaucoup plus mal, ça. J'aurais dû le mettre avant. Un truc qui augmente la vitesse. Non, il n'y a rien qui augmente la vitesse.
Attends, mais les armes de tout le monde peuvent être améliorées. Elles non. Toi, tu gardes le couteau. On peut pas lui changer d'arme. Aomori. Et toi, tu n'as pas de nouvelles attaques. Allez, on est bon. On est bon et... Qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Qu'est-ce que... Non, ils sont plus là. Ils sont partis. On peut pas les voir s'en aller, s'envoler, rien. Ils sont déjà partis. Ils sont déjà partis. Non, je veux... Ah non, je voulais pas me combattre. Bon. Bien obligé de me combattre pour XP un petit peu. Oh merde! Regarde, héros, il a... Oh, faut... Mais attends, faut que j'aille sauvegarder et me remettre de la vie très très vite, là. J'ai loupé quelque chose d'important, apparemment. Va, reva à la décharge, il y avait un volant. Il y en avait un volant? C'était peut-être une lettre. Ah oui, ça, je me rappelle. Le truc volant. C'est vrai que je m'attendais à ce qu'il tombe plus tard. Et il n'est jamais tombé au final. C'était là. Oh merde, on peut pas retourner par là, la blague. J'ai loupé une lettre, effectivement. Mais alors comment j'aurais pu la faire tomber? Alors on va se refaire tout le chemin de la dernière fois pour aller jusqu'à là-bas. Bon, ce sera pas très très long, ça va prendre quelques minutes. Maintenant qu'on a, débloqué tous les chemins, surtout qu'on connaît les chemins, là on n'a pas besoin de passer par là. Voilà, on revient là-dedans. Ça, on l'a vu. Ah, dommage qu'on puisse pas y retourner par la fin. Alors, tac, tac, tac. Ah oui, là, on va peut-être avoir des petits combats qu'on va essayer d'esquiver quand même. Non. Pas là, là. Voilà. Et là, il y a là. Voilà. Et là, il y a de quoi sauvegarder. Donc là, c'est exactement là où on a commencé le stream ce soir. Donc on est pas très loin, au final. On va sauvegarder aussi un petit coup. Ça mange pas de pain. Merci. Alors, c'est vrai qu'il y avait une lettre que j'ai loupée. Parce que je pensais que plus tard elle reviendrait, tout ça, mais non, je me suis trompé. C'est là. Et c'est. C'est dans le labyrinthe, si je me rappelle bien. Et dans le labyrinthe. Alors attention, dans le labyrinthe, c'est. C'est là-haut, je crois. Hein. Je crois que c'est en haut à gauche. Hein. Non, j'étais pas loin. Alors pourquoi la lettre est tombée maintenant? Pourquoi tout à l'heure elle n'était pas tombée et là elle est tombée? Qu'est-ce qui a changé? C'est marrant ça. Alors faut que juste que je trouve le bon chemin pour y accéder. Peut-être que c'est là. Ce n'est pas là. Alors c'est pas là, donc ça va être où ça cette histoire? Ça va être en haut, puis à droite, bien sûr. Bien sûr. Ah, mais attendez, mais c'est formidable! Alors, si vous avez une belle occasion dans votre vie de lâcher, de spammer la lettre K, voire même de double spammer la lettre K dans le chat. Ah, ça, c'est le chat que j'aime. Ça, c'est beau, ça. Ah, le K! Le K! Un K, c'est bien, deux K, c'est mieux quand même. Merci de me l'avoir rappelé, j'avoue que je l'aurais oublié. Je considère pas que c'est du backseat ou du spoil de m'avoir dit ça. Parce que c'est vrai que j'aurais complètement oublié en vérité, et c'est tout à fait important au final. Et puis en plus c'est pas un spoil parce que je l'avais vu et tout, mais par contre j'ai juste pas compris pourquoi elle est descendue, alors que tout à l'heure elle flottait dans les airs, j'ai l'impression. Mais bref. C'est où la suite du jeu maintenant? Oh, je l'avais pas vu celle-là. Comme quoi il y a toujours des trucs qu'on oublie un peu. Une plaque de cuisson. Héros a pris heure du goûter. Oh putain, mais ça valait le coup. C'est quoi ça, heure du goûter? Héros, pardon, j'ai dit. Heure du goûter soigne 40% des cœurs à tous les amis. Wow, c'est formidable. Wow, c'est trop fort. Incroyable. Et plaque de cuisson, c'est une arme, j'imagine. Pour toi. Plaque de cuisson, ça t'augmente les cœurs et l'attaque. Trop fort. Eh ben écoutez, on a vraiment bien fait de revenir dans cet endroit, ça valait vraiment le coup. Pas de regret, vraiment pas du tout. Ah, y a que Aomori qui peut voir et récupérer les lettres, c'est pour ça que j'ai pas pu la récupérer tout à l'heure, parce que je contrôlais, je crois, la fille à ce moment-là du jeu. Oh, donc quand je vois des trucs qui flottent, maintenant je le saurai. Merci pour le...
Le conseil. J'ai envie d'aller les voir en train de manger des flocons, là, dans le pays de la neige, là. C'est où? Dans le lac froid, là. Je sais plus où c'est. C'est en bas, je crois, non? Ça fait deux fois que je me fais avoir, là. Ou alors c'est à droite. Non, cassez-vous. Je crois que c'est là. C'est pas là. Et on s'y rapproche. Non, je veux pas me battre. Mince, je sais que j'ai un de l'autre quelque part. On peut pas y accéder, d'accord. C'est où? Merde, mais c'est où? C'est peut-être là, en bas? Non. Ah oui, 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 en bas, oui. Non. Oui, ok, c'est ça. Et ils sont tous là! C'est trop mimi, trop, trop mimi. Oh, il y a un igloo. Ah oui, je me rappelle, c'est vrai. Trop bien. Mec, j'arrive pas à croire que le capitaine ait payé tous nos flocons. Je suis tellement ému, là. C'est si bon d'avoir le capitaine de retour. Ouais, poteau. Frangin, ces flocons sont vraiment bons. Ce que vous avez fait était vraiment courageux. Je ne pourrais jamais défier le capitaine comme ça. Vous feriez tous d'incroyables pirates de l'espace, sérieux. Tant de pensées et d'émotions m'ont rangé ces derniers temps. Mais cet instant-ci est très apaisant. Je me sens en paix. Le paix. Ouais, mon gars, t'es là pour manger des flocons avec nous? Mon flocon n'a aucun goût. Oh, triste. Et ce chapeau, là? C'est toujours pas à quoi ça sert. Le chapeau, c'est juste pour faire joli, l'histoire du chapeau, non? Je sais pas à quoi il sert, ce chapeau. Allez, on va donc repartir à la recherche de Basile. On va remonter tout là-haut. Donc ça, c'est un ennemi. On va repartir. On sait où est le... Où est-ce qu'on va aller maintenant. Par contre, j'espère qu'il va y avoir un script ou quelque chose qui va se lancer, parce que je t'avoue que je sais pas vers où je me dirige. Bon, dans le doute, je... Oh, bah tiens, justement, un script se lance, quel hasard. Coucou tout le monde! Comment se passe la recherche de Basile? Eh bien, Marie, on dirait qu'on a fait un petit détour. On essaie juste d'aider les gens dans le besoin, tu vois. Regarde, Marie, j'ai un bon flocon. Ah, oh, mais je l'ai même pas utilisé, le bon flocon. Qu'est-ce que je suis con. Eh bien, c'est génial, ça, Aubrey. Mais du coup, si je l'avais utilisé, j'aurais pas pu lui dire « Regarde, Marie, j'ai un bon flocon. » Merci. Marie, regarde ce que je peux faire. Les biscottos. C'est génial aussi, qu'elle. Ouais, je sais, c'est génial, hein. C'est très bizarre. On a cherché partout, mais aucune trace de Basile nulle part. Oh, Basile, je me demande où il a pu aller. On doit forcément rater quelque chose. Est-ce que tu as une piste, Omori? Bah ben non, pas vraiment. Hop là, j'ai pas fait exprès. On va chercher le bon, enfin on va plutôt chercher le flocon. Avec le bon flocon. Qui était donc tout à droite, et puis ensuite en bas plus tard. Le petit détour. Excusez-moi. Voilà, on y va, on traverse le pont sur la droite là. Et on va aller s'en récupérer un. Bonjour, je suis Josh, aux multiples talents et maître de plusieurs commerces. Comment puis-je vous aider? Acheter. Flocon, ça coûte 5000, c'est très cher. Ah, mais il faut que je mette Marie en première, d'accord. Et oui, bien sûr. Je suis, voilà, acheter. Non. Équiper, poche. Important. Bon flocon, utiliser. C'est pas là? Ah mais c'est là! Waouh, je suis trop intelligent! C'est à côté. Une machine à flocon, veux-tu utiliser le bon flocon? Oui. La machine à flocon a distribué un flocon. Je possède le flocon. Il est où le flocon? Flocon, soigne les cœurs et le jus d'un ami et augmente chaque stat pour le combat. C'est ultra fort. C'est ultra ultra fort. Allez, nickel. On est bon. On a fini toute cette zone. On va pouvoir repartir à l'aventure sur la route initiale du début du jeu de la semaine dernière, qu'on connaît bien, notre petit village là avec nos petits amis, tout ça. On va devoir redescendre l'échelle. Au revoir, dinosaure qui dort. Au revoir, Marie. On te revoit sur un prochain pique-nique, évidemment. Au revoir, télé, que je n'ai pas pu accéder. Attends, on peut la voir, la télé? Attends, il y a un chemin pour aller à la télé. Désolé, on va encore faire un nouveau
des tours. Attends, il y a un chemin pour accéder à la télé, c'est une blague? Je vois là. Comment on fait pour aller à la télé? Attends. Comment je fais pour aller à la télé? Je suis sûr qu'il y a un truc. Vas-y, pète-moi ça. Je suis sûr qu'il y a un truc à péter. Pas un truc à péter là? On peut pas y aller à la télé, vous êtes sûr? C'est bizarre quand même. C'est pas par là? Peut-être par là? Mais je l'aurais vu qu'il y a un chemin à gauche, non? Ah non. Merde. Peut-être un coup de boule, ouais. Peut-être qu'il faut que je frappe, faut que je parle sur chaque mur. Peut-être qu'on le voit pas parce que c'est... tu vois, c'est... c'est vertical, mais peut-être que Marie, elle peut... pas Marie. Comment elle s'appelle? Celle que je joue, là? Je me souviens plus. Peut-être qu'elle peut casser un mur, quelque part. Comment je peux aller là, moi? Comment je peux péter ça, moi? Aubrey, pardon, j'avais oublié qu'elle s'appelait Aubrey, c'est vrai. Merde. Il y a un passage secret quelque part. Vous voulez me le dire où il est? Vous pouvez me le dire. J'accepte. Un indice? Non, directement me le dire. Tu peux casser les arbres? Non, je peux pas. Enfin, je crois pas. Non, je peux pas. Je peux pas les couper. Non, je peux pas les couper. Le chemin dans la montagne casse les plots dans le petit trou. Un passage secret. Le cul-de-sac n'est pas un cul-de-sac. Le cul-de-sac n'est pas... Donc, pas du tout les plots, du coup. Le cul-de-sac n'est pas un cul-de-sac. Je sais de quel cul-de-sac tu parles. À chaque fois, je me fais avoir ce cul-de-sac. À chaque fois, je crois que c'est la suite du jeu. Et en fait, non. Il est là, ce cul-de-sac. Bien sûr que c'est bizarre d'avoir mis ça là. Mais let's go! Il suffisait d'aller à gauche. C'est trop bien. Oh, trop bien. Merci. Merci, putain, c'était évident et à la fois j'ai pas trouvé, et à la fois c'était sous mes yeux et à la fois j'ai pas trouvé. Trop bien, merci. La télé. Et alors? Attends, c'est tout? Ah, d'accord. Oh, waouh. Pouah! Sérieux, prévenez-moi au moins avant, vous voulez bien? Je reçois pas souvent de visiteurs, vous savez. Pendant que vous êtes là, vous pourriez être sympa et m'aider à prendre les choses qui sont sur cette liste. Vous avez bien compris? Tout devrait être dans la décharge. Merci les amis, je vous en dois une. Attends, mais j'ai déjà tout récupéré. Comment ça c'est trop rapide pour que vous puissiez lire? D'accord, voici une liste de ce que vous pouvez chercher si vous en avez envie. Machin chouette, machin chose et truc mûche. Tu as obtenu une liste étrange. Vous avez compris cette fois? Je m'attends à vous revoir bientôt. Une machine à café cassée. Du charabia. Encore du charabia. Mais j'ai pas déjà tout trouvé moi à la décharge. Fille télé trop captivée par ces séries dramatiques pour te prêter attention. Et vous pensez qu'il faut que j'aille vraiment dans la décharge maintenant pour rechercher tous ces objets? Ou c'est juste une blague? Enfin, quand je dis vous pensez, ceux qui connaissent déjà le jeu, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je sais pas si j'ai ces objets-là sur moi, en plus. J'ai pas trouvé des trucs comme ça. C'est long et flemme, je pense que c'est pas utile. C'est une vraie quête, je connaissais pas, c'est une quête secondaire. C'est pas super important. Regarde, ils sont normalement dans le gadget. Eh, j'en ai aucun des trois. Mais peut-être qu'ils apparaissent que une fois qu'on a la liste aussi. Une fois que t'as pas la liste, tu peux pas les attraper ces objets-là. Peut-être. Bah écoutez, on va pas le faire. Moi j'ai envie d'avancer dans le jeu, j'ai envie d'avancer dans l'histoire, je m'inquiète pour Basile, j'ai envie d'en savoir plus. On le fera peut-être en post-game ou un truc comme ça, ou plus tard, une autre fois. Là je préfère avancer dans l'histoire. Moi j'attends que le jeu, comme on m'a prévenu, Peggy 18, tout ça... Attends, c'est pas là? Ah mince, attends. Bah si, c'est là.
Oh, what the fuck, c'est quoi ça à gauche? Non, mais y'a trop de trucs, c'est quoi ça? Oula! Oula, il fait sombre. Et il neige. Les pastèques. C'est ce que je préfère en été. Il y avait des bouées, il y avait une pastèque. Et là-bas, il y a un gâteau d'anniversaire. Hein. Il est là, il est à gauche. Les cookies de Marie. Les cookies de Marie sont cuisinés avec bien plus d'amour que les autres. Je pourrais en manger pour toujours. Ouais, je vais peut-être aller dans le sens du jeu. Au lieu d'essayer de... Il est là-haut. Ah oui, putain, je suis seul, t'as raison. J'avais même pas remarqué. Y'a pas les autres avec moi. Peut-être que Omori, il a des... Là, c'est ces souvenirs dont on parle, là. Les... Ah, il y avait des trucs là-bas aussi. Qui parlent des gâteaux de Marie, tout ça, de sa sœur et tout. Oh! Non, justement, je te conseille de fouiller. Ah, tu veux dire que... Ah, mais merde. Tu veux dire que peut-être que ça aura disparu et on pourra pas revenir. Genre, il va se passer un truc, ça va disparaître, donc vaut mieux fouiller. C'est un peu plus clair que tout à l'heure. Alors on va fouiller dans ce cas-là. On est encore jeune. On devrait voir grand, non? Il y avait des puzzles. Alors je vais aller au gâteau d'anniversaire que j'ai vu tout à l'heure. Dans les phases scriptées, vaut mieux fouiller. Ah, tu vois, j'avais l'impression de... Je pensais justement l'inverse, tu vois, pour le coup. Un vœu, mais qu'est-ce que je pourrais souhaiter? J'ai déjà tout ce dont je pourrais avoir envie juste ici. Tu pars devant? T'inquiète pas pour nous. On te rattrape dans une minute. 4 parapluies. C'est là où j'étais. Là, c'est là où il y avait la grande dame. Là-haut. Échelle. Oh, il y a des cadeaux là. Il y a une forme bizarre celui-là. Cette année, tu auras juste un cadeau. De la part de nous tous. Il y a une forme bizarre ce cadeau. On aurait dit un violon, une bouteille, je sais pas. La musique très agréable. Ouais, j'avoue, elle est toute douce. Ça peut... Ah putain, j'ai déjà fait le tour, ça y est, j'ai rien loupé. Ok. Mais ça peut annoncer du mauvais aussi. Hein. Oula, oula. Qu'est-ce que c'est que ça? Un gros cadre. Avec l'extérieur très très rouge. Oh. Oh. Il n'y a plus un seul bruit. Oh, j'ai eu peur de la lettre F. Ok, c'est bon, j'ai eu peur. D'accord, j'avoue. Évidemment, bien sûr, la lettre F, hein, évidemment. Hop là. Pas bon. Oh, ça, c'est, on dirait quoi, une partition de musique? C'est une ampoule hein, qui est au-dessus, calmez-vous. Une partition sur un pupitre. Toutes les notes ont été gribouillées.
Une famille heureuse. Mais les visages... C'est pas comme ça à l'instant, là, quand, avant qu'on prenne la note. Oula. Petit frisson. Petite image subliminale. Rien de nouveau. Qu'est-ce que tu attends? Ben, y a pas la porte, voilà ce que j'attends. Oh oh! Il fait noir comme dans un four. Elle était pas comme ça l'ampoule avant. Impossible de voir quoi que ce soit. Elle avait pas de rayon de soleil autour d'elle comme ça. Hey, ça se fait automatiquement! Le pendu, j'ai l'impression. Je vais essayer de pas trop regarder. Ah, ils me disent où seraient les touches entre des moulinets géants dans un couloir de portrait, sous une trappe, dans le feu perdu d'un bûcher, dans la panse d'une baleine. Mais ça spoil un petit peu, du coup. Au bout d'une planche, près d'une cartoon, nana, bien en dessous d'une grande scène, près d'une roulette, en passant du temps avec une grenouille, parmi d'autres eaux, dans des toilettes, capturées dans un piège d'acier, enfermées dans une cage rose, dans une coquille vivante, entourée de slime, dans un aquarium à bulles, dans une petite chambre mouvante, gisant dans une cellule sombre, au bout d'une carte, dans un champ de neige blanche, après la fin de la route. Hop là. Ah oui. Attends. Il n'y avait que ça sur l'ordi qu'on peut faire. Ah oui, c'est vrai, pour sortir de là, il fallait faire ça, j'avais oublié. À ce moment-là, j'ai tout vu. Quand tu te tenais là, avant, tu l'as vu, toi aussi ? Ce quelque chose derrière toi. Là, 3 jours restants. Oh. De retour avec lui. Je sais plus comment il s'appelle. Sunny, c'est vrai. Et il fait jour. Et donc c'est ici que les histoires un peu cheloues se passent. Hein. Tu as un nouveau message. Sunny, c'est maman. Comment tu vas? Est-ce que tu manges bien? J'espérais rentrer aujourd'hui pour te voir, mais aujourd'hui, c'est le dernier jour d'une grande promo sur les meubles et je ne peux pas résister à une bonne affaire. Tu peux t'occuper de toi pendant quelques jours, pas vrai? Après tout, tu es un grand garçon maintenant. N'oublie pas de finir tes corvées quand je rentre. J'ai laissé une liste sur la table à côté de ta porte. C'est tout pour l'instant. Maman t'aime très fort. Au revoir, chérie. Veux-tu jouer au Blackjack? Ah ouais, bien sûr. Blackjack. Nouvelle partie. Tu as 100 dollars. Combien souhaites-tu miser? 25. Donc ça, c'est ma main. Waouh, elle est horrible, ma main. Après, lui, il a un 2. Donc je vais rester. Attends.
Moi je suis à quoi là? Je suis à 6 seulement. Vas-y, je pioche. Je suis à... Bon, j'ai gagné apparemment. Ok. Tu as 125$. Combien souhaites-tu miser? 100. Waouh, oui. Oh, alors là, il est très très bien lui. Il suffit qu'il ait une autre tête ou un as, il est tranquille. Moi je suis à 14. Je vais... Piocher, c'est risqué, mais vas-y. Ah, je suis à 24, j'ai perdu. Et je saute. Il était à 15, mais j'aurais perdu dans tous les cas parce que j'étais à 14. Je mise 25, je suis à 14 encore, c'est pas ouf. Je vais quand même piocher. Ok, je suis à 22, bah j'ai perdu. Je suis trop nul. J'ai plus de dollars. Partie terminée. Et on peut recommencer à 100. Je me demande si on n'arrive pas... Quand on n'arrive pas à un montant super haut, on débloque pas un truc. Je suis à 15. Je vais pas bouger. Et j'ai perdu. J'aurais dû piocher du coup. Ok, partie terminée. Allez, une dernière. Je suis à 15, je tire pas. Parce qu'il me propose de... Il me propose de repiocher. Non, je tire pas. Je prends trop le risque de dépasser 21 et j'ai perdu. Bon. Après, je suis pas très fort. Après, je suis pas fort, moi. Allez, je tente une dernière fois. Je suis à 12, je pioche. Je suis à 22, j'ai perdu. Pff, allez, c'est bon. Non, mais moi les jeux de casino... Au revoir. Au revoir. Le but du jeu, c'est de faire se rapprocher le plus de 21, mais pas le dépasser. Et il faut faire mieux que la banque. Et la banque, elle... Ah, ça toque. La banque, elle est obligée de jouer si jamais elle est en dessous de 16. Elle est obligée de continuer, donc ça la pousse à peut-être dépasser le 21. Elle a ce petit malus, la banque. Eh oh! Eh oh! Sonny, t'es là? Tu te souviens de moi? C'est moi, Kel, ton vieil ami. Donc ça, en fait, ça se passe dans le futur. Donc on a... Est-ce que Omori, c'est Sonny? Ils se ressemblent beaucoup. C'est peut-être la même personne, il a changé de nom, ou alors c'est quelqu'un de différent, je sais pas, mais je pense à la même personne. Là, qui dit, c'est moi, Kel, ton vieil ami? Je veux rien savoir, le chat, hein. Faites attention, je veux rien savoir. Je fais juste mes petites théories. Est-ce qu'il a grandi? En fait, j'ai remarqué le panneau à vendre devant ta maison. Et je... Ma maman m'a dit que tu allais bientôt déménager. Bon, vu comment il parle. C'est dans le futur de 6 mois, quoi. Un an. Et je me demandais si tu voulais qu'on passe un peu de temps ensemble. Avant que tu ne partes, ou un truc du genre. En souvenir du bon vieux temps. Sachant qu'il est habillé exactement pareil aussi. Et... Je lui tourne le dos. Ah non, je suis face à la porte. Que souhaites-tu faire? Ben on va ouvrir la porte, bien sûr. Est-ce que ça va refaire le même truc flippant que l'autre fois avec Marie, là? Beau dehors. Ok, non, ça va, tout va bien. Ouh. Waouh, t'es vraiment sorti. Et toi, t'as pris le soleil un peu. Je veux dire... Bon, je vais être honnête avec toi, Sonny. Je m'attendais vraiment pas à ce que tu sortes aujourd'hui, donc j'ai pas trop de plans. Je sais, allons aux Obeilles. C'est le magasin de loisirs sur la place de Lointainville. Tu te souviens d'où c'est, non? On y allait tout le temps quand on était petit. Quand on était petit, donc peut-être qu'on a grandi un petit peu quand même. Qu'est-ce qu'on attend? Allons-y! Un panier à pique-nique vide, souhaites-tu sauvegarder? Oui. Donc il y a deux jeux, il y a deux histoires différentes dans le jeu, d'accord? L'histoire avec Omori, l'histoire avec Sonny. Tu devrais pas marcher sur la route, Sonny, c'est dangereux. Un panneau à vendre avec un grand autocollant rouge vendu dessus. Ta maison a été vendue dans 3 jours. Ah, dans 3 jours! C'est ce qu'on disait, tu vas aménager ailleurs. Une élégante boîte aux lettres blanches. Ouais, ils ont 3 poubelles, eux. Et attends, Sonny! Je sais que ça fait un moment que t'es pas venu chez moi, mais c'est peut-être pas le bon moment. Hein. Et on est voisins, en plus. Un panier basket de Kel. Mais sur la route? En plein milieu de la route comme ça, ça a l'air un peu dangereux. Donc là, je sais pas qui c'est.
Un nichoir pour oiseaux inhabité rempli de brindilles et de poussière. Des flamants roses en plastique décorent le jardin, ils ont l'air de bonne humeur. Une rangée de poubelles colorées. La bleue est pour les matériaux recyclables, la verte est pour les déchets et la noire est pour les ordures. Pas de réponse. Mais personne ne vient. La statue d'une figure religieuse. Tu as l'impression qu'elle te juge. Mais personne ne vient. Un grand panneau stop rouge. Une bouche d'incendie. Hop là. Tu as obtenu des déchets. Formidable. Travaux en cours ici. Pff, certaines choses ne changent tout simplement jamais. Parc lointain. Le futur appartient aux rêveurs. Bonjour. Le pasteur. Je suis en route pour l'église, mais c'est un de mes rituels de faire une petite promenade avant de me prendre... Oh non, putain, un pasteur qui se promenait dans un... Non, bah, je suis désolé, mais... non, bon, je ferai pas la blague, mais bon, quand même, c'est bizarre un peu avec le parc avec les enfants à côté. Faire une petite promenade avant de prononcer mes sermons. J'ai un trac horrible depuis que je suis enfant, mais une promenade pittoresque semble calmer mes nerfs. Suspect, juste un petit peu suspect, voilà, c'est rien, voilà, c'est, j'ai rien dit de plus. Oula, c'est les gens qu'on connaît, ou qu'on a connus. Oula, un grand chat en métal, dans tes souvenirs il était beaucoup plus grand. Une aire de jeu en plein air, ça sent le métal rouillé. Un ours en peluche. Joli garçon, la vie a été assez stressante ces derniers temps, mais regarder les gens ici m'aide à mettre les choses en perspective. Je devrais prendre l'habitude de venir dans ce parc plus souvent. Je suppose que parfois, tout ce qu'il faut pour se détendre, c'est de marquer un temps d'arrêt, de profiter de la vie. T'imagines, tu te mets face à quelqu'un au hasard dans la rue et il te dit un truc comme ça? Un petit peu bizarre, hein? Une artiste s'applique à faire des croquis. Oh, c'est un joli dessin du parc que tu as là. Ah! Oh, bonjour! Merci, je ne fais que m'entraîner. C'est de l'entraînement, ça? Mais on dirait une vraie image. Je parie que tu pourrais vendre ça et te faire de l'argent. Tu penses pas, Sony? Oui. Tu vois? Même Sony est d'accord avec moi. Sérieux, je pourrais te l'acheter sur le champ. Sony, tu peux me prêter 20$? Haha. Merci, c'est vraiment gentil de votre part, mais ce n'est pas à vendre. C'est pour mon portfolio. Je veux intégrer une école d'art l'année prochaine. Oh, quel dommage. Ce dessin aurait rendu... aurait bien rendu sur les murs de ma chambre. Elle s'appelle Mincy. Tu penses vraiment? Je m'appelle Mincy, et vous? Moi, c'est Kel, et lui, c'est Sony. Salut, Kel et Sony. Ravi de vous rencontrer. Ravi de te rencontrer aussi, Mincy. Ah. Qu'est-ce qui va pas? Ce n'est rien. Tu es la première personne qui dit des choses positives sur mes dessins. Parfois, quand je suis déprimé, je me questionne et j'ai du mal à bouger mon crayon. Impossible, je te crois pas. Je pense sincèrement que tes dessins sont super. Je pourrais même pas faire ça en plusieurs millions d'années. Sois pas si dur envers toi, Mincy. Moi et Sony, on croit en toi. Ah ouais, t'as raison. J'ai juste à me secouer et jeter ces mauvais sentiments. Je vais essayer de me concentrer et finir ce que je suis en train de faire. C'est l'idée. A plus, Mincy, tu vas gérer. Une spiroballe. Ça sent le métal rouillé. Salut les Jones. Je sais pas si vous regardez ou vous marchez, mais il y a pas mal de déchets dans cette ville. Si vous en trouvez, pouvez-vous me les apporter pour que je puisse m'en débarrasser correctement? Allez les Jones. Et dans le monde, étape par étape. Oui, c'est comme ça. Buvez du jus de pomme. Vous n'avez jamais entendu la phrase « Une pomme chaque matin éloigne le médecin » ? Le même concept s'applique au jus de pomme. Le jus de pomme favorise l'hydratation. Il contient des composés végétaux bénéfiques et favorables pour la santé cardiaque. Il peut également protéger votre cerveau avec l'âge. Il n'y a aucun inconvénient de ce que j'en sais. Hop, petit déchet, pas mal ça. Un panier de fruits, c'est surtout plein de pommes. J'aime les pommes. Ah, bonjour. La puanteur de cet homme est indescriptible. Clodo puant. Pourquoi tu tires cette tête, frangin? Il y a un truc sur ma tronche. Hop, les petits déchets, bonjour. Bonjour. Le gros bras. Ouf, ouf. Oh, salut, quoi de neuf? Ouf. Qu'est-ce que tu fais là, Kel? Tu viens de cette partie de la ville? Oh, je m'attendais pas à te voir ici, Jay. Sonny, c'est Jay, c'est le capitaine de l'équipe de football américain de mon lycée. Ils sont au lycée, donc. Je savais pas que tu jouais au basket. Ouf, je suis juste ici pour tuer le temps.
C'est plus un hobby qu'autre chose. Tu passes les sélections pour l'équipe de basket cette année, n'est-ce pas, Kel? Peut-être que tu peux m'apprendre tes tricks. Carrément, ça a l'air fun, mais peut-être une autre fois. Mon ami d'enfance, Sonny, va quitter la ville dans quelques jours, dans les jours qui suivent. Donc on passe du temps ensemble toute la journée aujourd'hui. Je t'assure que je passerai du temps avec toi plus tard par contre. Bien sûr, on peut organiser quelque chose la semaine prochaine. Même heure, même endroit? Ouais, ça m'a l'air bien, à plus alors. Eh bien, il connaît du monde. C'est quoi ça? Recictaires. Nous sommes les recictaires. Les recictaires adeptes de la corbeille sacrée. Comme tous ont pollué, tous doivent accepter qu'ils sont des déchets. Réduire, réutiliser, recycler. Ok, il dit la même chose. Le yo-yo de Ness, il est là. Hop, tiens. Je vois que vous avez des déchets avec vous. Merci bien, je vais m'assurer de m'en débarrasser. Voilà 3$ pour ton aide. Nice. Impeccable. Un pique-nique, ouais, on va sauvegarder vite fait. Bonnet olive. Quand j'étais plus jeune, ma famille allait souvent dans ce parc. Je me rappelle qu'il y avait un lac avec une statue au milieu, mais je ne la trouve nulle part. Vieux Clodo. Oh oh oh, bonjour. Gnac gnac. Aujourd'hui est une magnifique journée, vous ne trouvez pas? Peut-être qu'il y a... 2 secondes, je coupe mon micro. Je suis de retour. Peut-être qu'il n'y a rien dans mon porte-monnaie, mais au moins, le soleil, ça coûte pas un billet. Allez, on va aller à droite. Ok. Qu'avons-nous ici? Bonjour madame, fille aux cheveux courts. Je viens tout juste de faire le vœu de rencontrer l'amour de ma vie aujourd'hui. Je te le souhaite. Une fontaine. Tu peux voir des pièces au fond. Oh, regarde qui c'est qui est en haut. Il y a notre copain là. Il faut quoi? Faut que je monte sur le toit, moi, d'une manière ou d'une autre. Hop. Sonny, allons à Obey d'abord. Oh, d'accord. D'accord, d'accord. C'est le même que tout à l'heure. Buvez du jus d'orange. Vous n'avez jamais entendu la phrase « l'orange est la plus joyeuse des couleurs » Non? Eh bien, c'est pas grave. Sachez juste que le même concept s'applique au jus d'orange. Il possède de la vitamine C qui est essentielle pour que les fonctions du système immunitaire soient en bonne santé. C'est aussi un antioxydant qui pourrait avoir des bienfaits pour la santé en protégeant vos cellules des radicaux libres. Ah, bon, d'accord, 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 d'accord. On va y aller, on va y aller. Obey. Bon, on est arrivé à Obey. Ça doit faire un bail que t'es pas venu ici, mais le magasin n'a pas vraiment changé. C'est toujours les mêmes vieux trucs. Des jeux Captain Spatial, des films choupettes, quelques pierres de compagnie. Des pierres de compagnie! Sauf que c'est rétro maintenant. En fait, puisqu'on est ici, je devrais peut-être acheter un cadeau pour Hero. Il est à la fac pour l'instant, mais il devrait être rentré demain. Vu qu'il fait des études de médecine, est-ce que je devrais lui acheter des médocs? Il en sera ravi, crois-moi. Non, c'est nul comme idée. Tu devrais m'aider à trouver un cadeau, Sonny. Cherchons dans le coin et voyons ce qu'il y a. Ouais, on va faire ça. Merci Maheu qui a sauvé en Prime. Pour la première fois de sa vie, bienvenue. Merci à Bedo, DWH, qui a resté pour ses 4 mois. Coucou Farod, coucou le chat, coucou les modos. Premier sub pour moi. Merci à ce chat incroyable qui m'a sub auparavant. J'aimerais bien le bonjour des subs, s'il te plaît. Je comprends pas bien le bonjour des subs. J'aimerais bien le bonjour des subs. J'ai pas compris ce que tu demandes. Surtout, prends soin de toi. Je te souhaite santé pour toi et ton entourage. Bonheur, amour et argent. Gros bisous. Merci de m'accompagner depuis des années. Ben, merci à toi. Ah, tu veux ça? Voilà, pour toi, peut-être. Kilo, merci. Oui, d'accord, c'est ça. Le bonjour des subs, je comprends mieux. Kilo, merci pour les 23 mois de resub. Et merci à Nagito TDQ qui a resub pour son 2e mois. Merci beaucoup. Alors, on va regarder tout ce qu'il y a ici. Des CD colorés, peut-être que tu peux les jouer dans un jukebox. Les CD ont l'air plutôt cool, mais je pense que Hero apprécierait quelque chose de plus sentimental. Continuons à chercher. Un nouveau jeu vidéo nommé Super Ultra Mangeur de Topus, la revanche des top 3. Peggy 18? C'est trop violent pour Hero. Il n'aime pas les jeux comme ça. Ah, je peux pas courir. Un tas de petites figurines. J'ai toujours aimé ces petits gars, mais Hero se mettait en colère parce que je dépensais l'argent de mon déjeuner dessus. Ne lui rappelons pas ça. Plein de BD. Regardez ces bandes dessinées me rappellent tant de souvenirs. C'est comme au bon vieux temps, pas vrai Sonny? Hero n'a jamais été très BD par contre. Cet endroit est plutôt petit mais détient d'innombrables objets rares de collection. Les gens viennent de la ville pour faire du shopping ici. Donc les BD c'est pareil, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure.
Une découpe en... Attends, il faut que je me mouche, je m'excuse. Ah, ça fait du bien d'avoir le nez un petit peu moins débouché. Enfin, un peu plus débouché. Une découpe en carton de Captain Spatial. Plein de DVD. Hein, beaucoup de ces DVD prennent la poussière. Je suis sûr que nous en avons déjà la plupart à la maison, qui prennent sûrement eux aussi la poussière. Un tas de petites figurines. J'ai toujours aimé... Ah, il dit la même chose. Là, y a rien. Oh, quoi que. C'est... Oui, c'est parfait. Le livre de cuisine Tel Père, Tel Fils de Papa Sheep. Ouais, c'est difficile à prononcer. Hero en avait une copie quand on était petit, mais notre chien Hector l'a détruit. Il va être si content quand il va voir ça. Mais avant ça, nous devons lui poser... Nous devons nous poser la question la plus importante. Combien est-ce que ça coûte? $20? Mais c'est du vol! Mince, j'ai oublié mon portefeuille chez moi. Tu peux me dépanner, Sonny? Je te rembourserai, promis. Merci, mon ami. Je savais que je pouvais compter sur toi. Tu as pris le cadeau pour héros de l'étagère. Un poster intéressant. Ouais, le monstre sur le poster a l'air tellement réel. Je parie que se battre contre lui serait une bataille difficile. Vas-tu défier ce monstre au combat? Ouais. Ah, mais il fait peur. Waouh. La musique. Est-ce que j'ai de nouvelles aptitudes? Se calmer, retire toute émotion et soigne un peu de cœur. Oh, j'ai pas d'attaque véritable. Oh, il a pas beaucoup de PV en vrai. Il me fout la pression. C'est Denji! Ah oui, j'avoue! C'est Chainsawman. Oh, la tête! Sonny a gagné. Allô, Sonny? Allô, Sonny? Ici la Terre? Waouh, un CD est tombé derrière le poster! Bizarre, je me demande qui l'a caché ici. Je suppose qu'on peut juste le prendre. Tu as obtenu un CD jovial. Un poster d'un nouveau jeu où l'on peut courir et battre des monstres maléfiques. Merci pour les GG le chat. On peut battre des monstres maléfiques sur des skateboards. Oh, une borne d'arcade. Un jeu appelé l'aventure spatiale de Captain Spatial. Une partie coûte $1. Se dit, commençons par le cadeau pour héros, on pourra jouer plus tard. Un poster d'un nouveau jeu où tu peux voyager à travers des différents mondes. Rien que tu n'aies déjà vu. Un distributeur. Garçon lunettes. Mon roman favori vient d'avoir une adaptation en BD. Le personnage principal ne ressemble pas du tout à ce que j'imaginais. Ça arrive. Une vieille console de jeux vidéo branchée à un téléviseur. Une machine à sous. Une machine à capsule. C'est $3 laissés. Ouais, je sais. Des petits bonbons. Une toute nouvelle console. Elle est lisse et brillante. Monsieur le commerçant, on aimerait acheter ce livre de cuisine, s'il vous plaît. Comment ça va, mon petit? Ça fait un moment depuis que t'es venu, n'est-ce pas? C'est le livre de cuisine Tel Père, Tel Fils de Papa Sheep. Je vois que vous avez bon goût. Ouais, mon frère avait l'habitude de suivre ses recettes tout le temps. Ma recette préférée, c'était ses cookies. Si rare de voir un autre fan des œuvres de Papa Sheep. Ça vous fera $20, s'il vous plaît. Merci, chers messieurs. Profitez-en bien. Tu as obtenu le cadeau pour Héro. Merci beaucoup, Sonny. Je suis sûr que Héro va adorer. Maintenant, on peut aller sur la borne d'arcade si on a $1. On a $13, oui, je veux jouer. Yo, je vois que vous avez vos yeux rivés sur ce jeu vidéo. Il s'appelle l'aventure spatiale de Captain Spatial. Il était plus populaire il y a quelques années, mais il garde toujours quelques joueurs compétitifs de nos jours. Des gens de partout en ville l'ont essayé, mais je dois te prévenir que je détiens encore le record. Si tu peux le battre, je te donnerai quelque chose de sympa. Ok. Captain Spatial, aventure spatiale. Appuie sur un bouton, qu'est-ce que ça va être comme jeu? Un Space Invader vu du... Ok. Ok, j'ai déjà perdu. Je suis trop fort. Crise évitée. Donc moi j'ai déjà perdu une vie, je suis... C'est terrible. Qu'est-ce que c'est? C'est un bonus, tu crois? Peut-être qu'il faudrait que je le récupère. Le truc jaune. Crise évitée. Oh merde.
Ah, c'est un bonus, mais pas trop non plus, quoi. Parce qu'en fait, ça me fait tirer dans mon... dans ma protection. Dans mon mur de protection. Donc en fait, j'en veux pas du bonus. J'ai juste à me cacher, à spammer. Vu que mes tirs passent avant que lui, il ait le temps de tirer. Ok, j'ai rien dit. Ah, ça descend. Ça descend. Oh, c'est beaucoup plus difficile. Waouh, putain, c'est trop dur. Game over. J'ai fait 5360, je crois. Et on saura pas ce que c'était son record, du coup. Je veux un jouet. Tu as obtenu une boule rose. Je pourrais essayer encore. C'est mignon, tu as obtenu un slinky vert. Ça veut dire qu'on va... Attends. Du coup, où est-ce que tu veux aller maintenant, Sunny? J'imagine qu'il n'y a pas grand-chose à faire en banlieue, hein. Pourquoi pas le parc lointain? Ouais, le parc. On est passé devant en route. Ça a l'air sympa, pas vrai? En fait, on a déjà fait le parc de fond en comble. Yo, moi c'est Michael, un musicien itinérant en devenir. Ça fait quelques années que je joue de la guitare à la place de la ville, mais je pense que je suis enfin prêt à passer à autre chose. Pouvez-vous m'aider à atteindre mon but? Tout me sera utile. Bah, tiens, je te donne 1$. Je te fais un don. Tu as donné 1$ au mec à la guitare. On dirait qu'il y a encore de la marge avant que je puisse me permettre de quitter la ville. Merci, en échange, je vais vous jouer une chanson originale. Eh, mais c'est le retour de Kéké la glisse ou quoi, là? D'ailleurs, c'est pas la même musique. Chez Gino. Oh, Resto Pizza! Une plante d'intérieur ordinaire, rien de spécial. Veuillez vous asseoir. Bonjour, bonjour, mon nom est Gino. Je sais que vous pensez ce que vous pensez, et non, cet endroit n'est pas à moi. Mais ils offrent une pizza entière pour mon anniv chaque année, donc c'est plutôt cool. Ma femme n'arrête pas de me dire que je deviens de plus en plus grassouillé. Mais je ne peux pas m'en empêcher, surtout quand on vit si proche de chez Gino. Gino? Gino? Comment il s'appelle? Le gars des pizzas. Donc je vois que tu as jeté un coup d'œil à cette affiche de demande d'aide que j'ai mise ici. Tu es intéressé par ce boulot? Gino. Je sais pas, ouais. Cool, laisse-moi t'aider à te préparer. Tu vas prendre ce boulot, Sunny? Je pars dans 3 jours. Hein. Dans ce cas, je reviendrai te chercher plus tard. Travail dur, d'accord? Donc tu veux entendre la bonne ou la mauvaise nouvelle? Je vais commencer avec la bonne. Donc la bonne nouvelle est que nous avons 3 commandes de pizza aujourd'hui. La mauvaise nouvelle, c'est que notre livreur a appelé et il est encore malade. Ses clients sont tous des habitués, donc on a arrêté de noter leur adresse depuis longtemps. Je me souviens plus où ils vivent, mais je me souviens à quoi ressemble leur maison. Oh, la galère que ça va être. Prends ces notes et tout ira bien. Le gars des pizzas t'a donné des notes pour les pizzas. Je vais chercher ton uniforme. Ne sois pas si timide, porte ton uniforme fièrement. Maintenant, souviens-toi, tu as 3 pizzas à livrer. Dès que tu as fini, reviens au magasin à vélo. Je compte sur toi. Oh, quelle horreur! Cette pizza va à la maison avec les... paillassons... Et un verre fenêtre. Paillasson blanc, vert fenêtre. Attends, je prends le vélo ou pas? Paillasson blanc, vert fenêtre. Vert fenêtre? Peut-être que c'est pas ça que je devais lire, hein. Ah, paillasson blanc vers fenêtre. Ou vers volet, peut-être. Livraison de pizza! C'est moi qui ai crié, là? Merci. Contre toute attente, tu as livré la pizza avec succès. Il est temps de livrer la prochaine commande.
Merde, j'ai pas fait exprès. Regardez la note. Peux-tu trouver la maison avec les buissons près... près du... des... les portes du garage claires et les façades en briques blanches. Buissons près des portes du garage. Buissons garage et... garage clair et façade briques blanches. Attends, non. Donc façade briques blanches et buissons près de la porte du garage. Les buissons sont pas proches de la porte du garage, là. Là non plus. Là non plus. Là non plus. Bah, là non plus. Attends, les buissons ne sont jamais proches de la porte du garage, j'ai l'impression. Ah si. Bah ici, les buissons sont proches de la porte du garage. Eh, mais c'est pas de la brique, ça. Attends, c'est pas de la brique. Ça, c'est de la brique. Ça, c'est de la brique blanche. Ça, c'est pas... on dirait du bois. Je pense pas que ce soit ça. Pas de buisson. Pas de buisson. Pas de buisson. Ah, je suis allé trop loin. Donc, c'était peut-être cette maison-là, en fait. Mais je crois pas. Bon, moi, c'est pas celle-là, c'est pas des briques. Livraison de pizza. Comment osez-vous apporter une pizza dans ma maison parfaitement végane? Vous devriez avoir honte. Ça ne s'est pas très bien passé. Tu devrais trouver la bonne maison. Peux-tu trouver la maison avec les buissons près de la porte du garage? Claire, j'avais oublié ça. Et les façades en briques blanches. Mais c'est bizarre parce que j'ai pas vu ça, moi. Oh, il y a un buisson près de la porte de garage. Mais la porte de garage n'est pas claire. Ah, mais il n'y a pas d'autre choix, en fait. Bon, alors c'est peut-être celle-là, au final. Et elle est en brique blanche, par contre. Alors, est-ce que c'est ça? Salut. Waouh, vous êtes venu plus tôt que je le pensais. Merci. Bah, en plus, j'ai eu du retard, je me suis trompé de maison. Contre toute attente, tu as livré ta pizza. Prochaine pizza. Peux-tu trouver la maison qui a les... qui a les... à l'avant et les balançoires. Qui a les... jouets, les roues à l'avant et la balançoire. Qui a les... à l'avant et la balançoire. Bon, on va chercher une balançoire déjà. Maison avec une balançoire. Pas de balançoire ici. Ouais, peut-être jouer, ouais, j'ai cru lire jouer. Pas de jouer, pas de balançoire. Il y avait une maison avec des jouets tout à l'heure. Hein. Ah ! Balançoire, jouer. Mais vas-y, on va la tenter celle-ci. Et le yo-yo, c'est un jouet. Non, ouais, c'est bon pour moi. Salut. Waouh, vous êtes venu plus tôt que je le pensais. Let's go. C'était là. C'est tout. Il est temps de rentrer chez Gino. Eh, on a bien travaillé aujourd'hui là. Salut le nouveau. Tu es pile poil la personne que j'avais envie de voir. D'après certains retours récents, il semblerait que la note de satisfaction de nos clients soit de 9 sur 10. Voilà un peu d'argent. Peut-être que tu pourrais l'utiliser pour acheter des pizzas. 20$. C'est bon ça. Et puisque tu as été si aimable, voilà un autre cadeau. Un CD autre mondain. Ça fait 2 CD. C'est l'un de mes morceaux préférés de tous les temps. Tu peux le jouer sur le jukebox juste là-bas. Salut Sony, comment se passe ton travail? Pendant que tu étais en train de travailler, j'ai décidé de m'asseoir sur un banc et de parler à des inconnus. C'était amusant. Bon, je suis prêt à y aller quand tu veux. Les mioches, vous m'avez surpris pendant ma pause. J'essaie de décider quoi manger avec depuis 10 minutes, mais je ne sais pas pourquoi je pinaille autant.
Peu importe ce que j'aurai, c'est sûr d'être bon. Mais j'ai trop faim. J'ai trop envie de manger une... il rigole comme Pluton. J'ai très envie de manger une pizza, là, d'un coup. De la pizza. Ray. Je suis Ray. Je suis connaisseur de musique en tout genre et j'en suis fier. Si tu joues un CD sur le jukebox juste ici, je parie que je pourrais te dire de quel artiste il s'agit. Yeah. Let's go. Des sodas et des boissons fraîches. Alors, on va mettre un CD. Tu vas insérer le CD Autre Mondain dans le jukebox de Gino. Tu vas insérer le CD Jovial dans le jukebox de Gino. Est-ce que tu veux jouer une chanson? Oui. On va commencer par Jovial. Je suis Rihanna. Je connais cette chanson. C'est une chanson originale de Toby Fox. Oh, c'est trop cool. Toby Fox a créé une musique spécialement pour Omori. Oh, trop cool. Trop bien. Toby Fox et Omokat sont potes. Ouais, je savais, mais c'est trop cool de leur avoir fait une petite, un petit clin d'œil comme ça, une petite référence. Oh, c'est sûr. Ouais, c'est trop... Ça fait plaisir. C'est vraiment chouette. Et on va l'écouter un peu. Elle est mignonne. Et elle se relance. Ok. Et Autre Mondain. Je connais cette chanson. C'est une reprise de Stardust Diving de Sam Neyland. Ok, c'est pas du tout le même style. Hein. Une borne d'arcade, on dirait qu'elle ne fonctionne pas. Et donc les CD, je les laisse là-dedans, du coup. En fait, il faut accumuler plein de CD et on les apporte tous ici. Alter Marché. Bonjour. Il y a tellement de tamales différents sur le marché. Je n'ai pas besoin de ces trucs élaborés. Les tamales en boîte sont assez bons pour moi. Tamales. Selon moi, la nourriture n'existe que pour la sauce. J'adore ta façon de penser. Si vous vous sentez stressé, puis-je vous conseiller un peu de thé? Les thés Earl Grey et la camomille sont très bons. Mais le bubble tea reste mon préféré. Beaucoup de caddies là-dedans. Je peux tous les bouger si je veux. De la glace, c'est très froid. Ah, le rayon bonbon, c'est là-bas apparemment. Le rayon, je sais pas, nouilles, c'est là-bas. Légumes. Mon mari ne fait que manger de la malbouffe. Je dois m'assurer qu'il mange des repas sains. Ma mère et moi, sommes là pour acheter de la nourriture saine à Altermarché, car elle a jeté tous les encas de la maison hier. Je pense qu'elle est obsédée par les choses saines depuis que mon père ne mange que de la malbouffe. Pourquoi on ne pourrait pas faire les deux? Tous les conteneurs de cette section peuvent être recyclés pour créer de nouveaux conteneurs encore et encore. C'est un concept magnifique, tu ne trouves pas? Mon fils Billy est tellement à cheval sur l'environnement, ses amis et lui sont tout le temps en train de ramasser des déchets dans la ville. Ça fait du bien de voir autant les jeunes prendre soin de la planète. Ou alors c'est les yaourts ici peut-être. Ou les médicaments. Plutôt médicaments, je crois. Feu, il n'y a rien que je puisse faire. On sait pas qui c'est. Vous avez besoin de quelque chose pour des coupures ou des égratignures? Ah, on peut s'acheter des trucs pour se... Soigne 50 cœurs, 1$ seulement? Mais c'est rien! C'est cadeau, vas-y, je t'en prends 2. C'est énorme! 5$, 150 cœurs? Mais peut-être qu'on a beaucoup plus de cœurs que... Il y a une offre d'emploi sur le mur, la lire, oui. Recherche d'un tuteur. Je cherche un prof particulier de mathématiques pour mon fils Brent. Payez 20$ le jour. Apportez ce prospectus avec vous chez moi pour un entretien rapide. Oui, j'enlève le prospectus du mur. Mais attends, mais... Il y a une carte vers la maison au verso. Place de Lointainville. Et ma maison, c'est celle qui fait l'angle. Ok, je note. Offre d'emploi, la lire. Recherche d'un tuteur. Un tuteur pour de français pour ma fille Joy. Payez 20$. Apporter ce professionnel. Oui. La maison, celle d'à côté, je suis sûr. Quasiment celle d'à côté.
En fait, mais c'est super long, en fait, tout ce qu'on a à faire ici. J'ai un travail, et c'est vendre de la viande. Utilisée pour faire des hamburgers. Non, j'en ai pas besoin, je crois pas. Il a dit, j'espère qu'on trouvera mon cher ami. Il a écrit cher comme la chair à saucisse. Salut, poisson. Putain, il y a kanji chinois, je dirais, mais je suis pas sûr. Attends, je vais relire. Non, japonais. Plutôt japonais. De la nourriture, ouais, non. Ça ira. Eh, boulot. Mais c'est ouf, en fait. Mais attendez, mais ça va être super long si on doit faire tous les boulots du monde. Ah, c'est plutôt du chinois, apparemment, dans le chat, on me dit. Ou du japonais. En fait, personne ne sait. Yo, Farod, que penses-tu d'Omori pour l'instant? Eh bien, écoute, pour l'instant, ça fait 3, 4, 5... Ça va faire bientôt 6 heures qu'on a commencé à jouer à Omori. Pas ce soir, évidemment, en comptant la rediffusion précédente. Bah pour l'instant, c'est un jeu qui ressemble beaucoup à Earthbound, comme on a déjà pu jouer. Donc, le gameplay ne me surprend pas, l'humour est sympathique comme tout, j'apprécie beaucoup la traduction française. Le jeu est mignon. Pour l'instant, il n'y a pas encore eu une seule fois le moment où le jeu pète un câble. Il y a eu 2-3 petits trucs, mais rien de bien fou, rien de... Oh là là, il fallait prévenir les viewers que surtout, c'était pas le jeu à mettre entre toutes les mains. Non, pour l'instant... j'ai peur de... En fait, je me dis des fois, j'ai peur de m'être attendu à trop, peut-être, je sais pas. Et sinon, pour l'instant, ça va, mais c'est vrai que s'il faut attendre que le jeu démarre pour qu'on se dise « Waouh, la claque et tout », on est déjà 6 heures, donc ça prend son temps, on va dire. Tu vas prendre ce boulot, c'est cool. Je vais aller traîner ailleurs en attendant, à plus tard. Ah, j'ai pas eu le choix, j'ai l'impression. Je te donne arme. Tu tues mouche, ok? Ok. Tu as obtenu une tapette à mouche. Ah, il y a des mouches dans le magasin. Maintenant, va! Ah, et genre, je tue... C'est une vraie mouche. Elle a pris 15 dégâts. Et elle a décédé. Mais attends, mais c'est quoi ce magasin avec un milliard de mouches partout? C'est affreux. J'ai une licence en chinois, je vous dis que c'est du chinois. Non mais je te crois. Oh, il est énervé, il était pas beau énervé. Après maintenant, je commence à me demander combien... Quelle est la durée de vie de Omori pour le coup? Ah, il y a une guêpe ou une abeille à côté. C'est une guêpe. Elle m'a piqué, aïe, ça fait mal. Il aurait fallu que j'attaque la guêpe en première. Pour pas qu'elle me fasse... puisse me faire plus de mal. Et est-ce qu'il faudrait que j'aille aussi du côté de la pharmacie, tout ça là? Heures en général. Ah ouais, on n'est pas sur du Undertale là. On est vraiment sur un jeu beaucoup plus long. 40 heures, c'est le temps qu'il nous a fallu quasiment pour faire tout Danganronpa. Hein. Sur YouTube, j'ai vu 26h, 25h. Il en reste ou pas? Bon travail. Dame de l'Altermarché a récupéré sa tapette à mouche. Tu as récupéré 20$. Oh putain, c'était plus rapide que le coup des pizzas. Se dit ça? Il dit la même chose. Alors. On va aller à droite, j'y suis pas allé encore. Au rayon bonbon. Bonjour, pardon, c'est faux. Un carton découpé de la propriétaire du magasin. Putain, j'avoue, c'est la propriétaire du magasin qui s'est faite en elle-même. Un peu too much. Fille mignonne, bienvenue. Nous espérons que nos bonbons vous rendront souriant. Miss Candice, je te l'ai dit, fais une révérence. Et c'est sourire. Sourire. Oui, madame. Tu veux le refaire, peut-être? Bienvenue, nous espérons que nos bonbons vous rendront souriant. Non. Elle n'y arrive pas. Bonjour, bonjour, c'est moi, l'heureuse et joviale Miss Candice. Qu'aimeriez-vous aujourd'hui? Sourire, sourire. Des bonbons, ça fait quoi? Des bonbons? Mais ça n'apporte rien, pomme d'amour. Chocolat. Vas-y, je vais prendre un bonbon. Mais j'ai pas l'impression que ça apporte quoi que ce soit. N'hésitez pas à revenir ou sinon... Sourire, sourire. Il y a des bonbons de toutes les couleurs, c'est trop beau.
tellement de bonbons. Ça y est, j'ai envie de bonbons. J'en ai dans ma cuisine, dans un pot, j'ai envie d'y aller. Des chewing-gums sucrés. Des bonbons acides sensationnels. Des bonbons moelleux. Tellement de bonbons. Ça me donne l'eau à la bouche, je t'avoue. Bon, je pense qu'on a fait le tour du magasin. On va pouvoir quitter cet endroit. Et aller répondre aux offres d'embauche qu'on a chopées tout à l'heure. Répare tout. Mais il a pas réparé sa propre devanture, j'ai l'impression. Bienvenue à Répartout, l'endroit où vous pouvez acheter plein de trucs et tout réparer vous-même. En quoi puis-je t'aider? Des fleurs, pour les gens importants. Eh, c'est le seul magasin où on peut courir. Pour les autres, jusqu'à maintenant, on pouvait pas courir. Oh. Dame à couette. Après tout ce temps, on a enfin aménagé ensemble. C'est tellement palpitant, n'est-ce pas? Suan. Gars au pull à carreaux. Ouais, c'est le début du reste de nos vies. Maintenant, faut prendre notre première décision importante. De quelle couleur devrions-nous peindre nos murs? Je pense que tout irait bien. J'aime toutes les couleurs. Qu'en penses-tu, Suan? Tout me va aussi. T'inquiète pas pour moi. Tu peux choisir 40. Quelle couleur souhaites-tu? Oh, Suan, tu es si altruiste. Je n'ai pas besoin de choisir une couleur de mur. Tout me rendra heureuse tant que je suis avec toi. 40. Si on continue à faire ça, on va être coincé ici pour toujours. Tu as raison. Et si on fermait nos yeux, on choisissait une couleur? Ok, ça marche. De cette façon, le résultat sera complètement impartial. Faisons ça. Ça m'a l'air bien. Ferme les yeux, 40. Attends. C'est pas grave. Tu devrais être celui à choisir ce an. J'insiste. Non, 40. Ça devrait complètement être toi. Et si je choisissais une couleur que tu n'aimes pas? Oh non, mais ça s'arrêtera jamais. Oh, on ne va nulle part là, n'est-ce pas? J'ai une idée. Faisons-nous aider par un étranger. Hé, vous, pouvez-vous nous aider un instant? Venez ici et choisissez un échantillon. Faites juste en sorte qu'il soit complètement aléatoire. Un échantillon, mais c'est pour quelle chambre? Moi, je vais choisir pas aléatoire. Tu as sélectionné... Ah, ok, d'accord. Donc, j'ai pas eu le choix. Un échantillon de papier de pain floral. Hein? Qu'est-ce que ce papier peint fait ici dans la section peinture? Il a dû t'être égaré. Bah, c'est pas vraiment ce que j'attendais, mais j'aime plutôt bien. Qu'en penses-tu, 40? Ce papier peint a l'air sympa. Je pense que ça irait très bien. Faisons ça. Merci infiniment pour votre aide. On vient tous les deux du coin, mais on vient tout juste d'aménager ensemble dans une nouvelle maison récemment. C'est celle avec le toit jaune, dans la rue près de l'église. Nous pensons organiser une pendaison de crémaillère dans 2 jours. Ça serait génial si vous pouviez venir. Ok, d'accord. C'est noté. Souriez, vous êtes filmé. Mec grognon, étranger, comment se passe ta journée? La mienne se déroule à merveille. Tu veux savoir pourquoi? Parce qu'aujourd'hui est le jour où je vais enfin réparer la fuite de ma maison. Mes problèmes ont commencé il y a quelques semaines. J'ai trouvé une fuite vraiment tenace dans le coin de mon salon. Comment est-ce arrivé? Je ne sais pas. Ça se voyait pas vraiment aux premiers abords, mais la fuite a lentement commencé à s'empirer de jour en jour. Pour te dire la vérité, je me suis déjà habitué au son du goutte à goutte et à la sensation du tapis humide. Mais tu sais quoi? Aujourd'hui, c'est le jour où tout change. Je suis enfin ici à Répartout. Mes outils sont prêts et je vais la réparer. Phew, pardon de me plaindre à toi comme ça. Cette fuite m'a peut-être rendu fou sans que je ne le sache. Ma maison est juste à côté de l'église du sud-ouest d'ici. Si tu veux venir et voir ce moment historique, je t'en prie, sois mon invité. Vas-y, il y a tout le monde qui invite tout le monde chez soi, c'est fou. Oh, il y a une ouverture là. Ah, ok. Ouh, c'est un peu plus sombre ici. Bonjour. Oh, c'était Basile et ma pote d'enfance que j'oublie toujours son prénom. Tu as trouvé un coquillage. Et pourquoi ils étaient là, rayon fleur hein? Ah bah oui, rayon fleur. Ah oui, c'est vrai que Basile, il a plein de plantes et tout, il aime bien. Ok. Aubrey, exactement Aubrey. Merci le chat. Et désolé de pas m'en rappeler à chaque fois. Bien. C'est des déchets, ça, du coup. Ah, les canettes, c'est des déchets aussi. D'accord. Ok, je note. Les voitures. Bon. Il reste encore 2-3 petits trucs à fouiller qu'on n'a pas vu. Oh, il y a des nouveaux persos qu'il n'y avait pas avant, là. Là-haut. Et le personnage en blond, là, à gauche, il a exactement la même forme de corps et de cheveux que la personne qu'on suivait tout à l'heure, là.
Attends, ne pars pas, s'il te plaît. Désolé mec, je peux pas t'aider, tu vas devoir te débrouiller seul. Oh oh, il y a du grabuge par là. Allons vérifier. C'est pas mes affaires, si t'as un problème avec elle, t'as qu'à lui parler toi-même, espèce de taré. Je t'en supplie, demande-lui juste de me le rendre. Elle veut pas m'écouter. Attends, ça serait pas... Ah merde, c'est Basile! C'est Basile, laisse-le tranquille, espèce de brute. Hein? Oh, qui va là? Oh, c'est juste qu'elle. Ça te dirait de t'occuper de tes affaires? Eh bien, ça te dirait pas d'aller ennuyer quelqu'un d'autre, Kim? Tu serais pas en train de prendre la grosse tête. C'est pas toi qui décides. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le gang des vélos. Le gang des trottinettes. Le gang des vélos. Oh putain, elle a une batte de baseball avec des clous carrément. Mais attends. Ah oui, c'est ce que je me disais. C'est Aubrey, mais elle a changé de couleur de cheveux. Oh, hé, hey, Aubrey. Quel le bolos vient de ramener sa fraise et il croit qu'il a le droit de me donner des ordres. C'est ce qu'on va voir. Waouh, putain, elle a trop changé. Quelle? Qu'est-ce que tu veux? Arrête d'embêter Basile. Comment oses-tu? On était tous amis avant, tu t'en souviens pas? Dis-lui, Sunny. Sunny est là? Waouh, c'est vraiment toi? Ça fait un bail, mais t'as pas changé d'un pouce. C'est quand la dernière fois que t'as quitté ta maison? 3 ans? Peut-être 4? Ça a dû être sympa de vivre dans ta propre petite bulle. Fais gaffe, Aubrey. Tu sais pas ce qu'il a traversé. Peu importe. Aubrey, je t'en supplie, écoute-moi. Arrête ça. Lâche l'affaire, Kel, ça ne te concerne pas. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi, Aubrey? Sunny, allez, on doit faire quelque chose. Haha, vous voulez vraiment vous battre? D'accord, pourquoi pas? Waouh, le regard qu'elle a, elle est devenue trop méchante. Vous deux contre moi, vous en pensez quoi? Allez, venez, je vais vous prendre à 1 contre 2. Waouh, c'est trop bizarre. Quel motif Sunny augmente l'attaque de Sunny? Agis en premier. Ouais, vas-y, on va augmenter son attaque pour ce combat. Waouh, 112 dégâts. C'est quoi ce... Est-ce que c'est un couteau? Attends, est-ce que je l'attaque au couteau, là? Oh purée, Aubrey, ça va? T'es blessé? Ça va. Non, ça va pas, tu saignes. Allez, on doit te tirer de là. Tu vas me le payer. Ah oui, bon après, elle avait une batte de baseball avec des clous plantés dedans. Mais je lui ai quand même planté un couteau dedans, là. Waouh, ça aurait pu mal tourner. Heureusement que t'avais ton couteau sur toi, parce que sinon... Attends une seconde, donne-moi ça! Quel a pris ton couteau aztèque? Tu devrais pas avoir des trucs pareils sur toi, Sunny. C'est dangereux. Aubrey a beaucoup changé depuis la dernière fois que tu l'as vu. Ses nouveaux amis et elle ne causent que des ennuis. Pauvre Basile, allons voir s'il va bien. Basile, comment ça va? Ah, ça va, merci, merci Kel. Je sais pas si t'as remarqué, mais il y a Sunny qui est là aussi. Dis bonjour Sunny. Non mais c'est pas, je suis pas ton chien, ça va? Oh, salut, salut Sunny, ça fait un bail, n'est-ce pas? Ouh, quelle heureuse réunion! Du coup, tu veux passer du temps avec nous aujourd'hui? Oh, désolé, j'aimerais beaucoup, mais je devrais sûrement rentrer chez moi. Vraiment, t'es sûr? Ma mamie se sent pas très bien ces derniers temps. Oh, désolé de l'apprendre. Laisse-nous au moins te raccompagner jusqu'à chez toi. Ça fait si longtemps qu'on n'a pas passé du temps ensemble. Oh,
Très bien, dans ce cas, merci. Vous n'étiez pas censé juste me raccompagner. Pardon, d'accord, je pouvais juste pas tourner à droite. Et tu habites donc là-bas, si je me trompe pas. Oh! Mais il y a des ennemis là. Mais pourquoi faire, il y a des ennemis. C'est pas le chemin pour la maison de Basile. Tu te souviens pas, c'est dans la rue en diagonale de la nôtre. Ah donc plus bas. Ici alors. Non. En diagonale de la nôtre. Ah, d'accord, donc là. Ok. Ah bah oui, il y a plein de plantes, forcément, c'est ici. Voilà la maison de Basile, celle avec le toit vert. Merci de m'avoir accompagné. No problemo, si t'as besoin de quelque chose, préviens-moi. D'accord, à la prochaine Basile. Ok. Attendez, partez pas. Je veux dire, je suis vraiment désolé. En fait, j'ai une faveur à vous demander. Tout ce que tu veux, Basile, de quoi t'as besoin? Eh bien, vous voyez, on m'a volé quelque chose d'important. Quand on était amis, vous vous rappelez quand j'avais l'habitude de prendre des photos de tout le monde? Bien sûr que je m'en rappelle. Ces photos étaient là, étaient tout pour toi, pardon. Je vois, eh bien, Aubrey, elle a volé mon album photo et... Aubrey a volé ton album photo? Et elle ne veut pas me le rendre. Quelle ordure! T'en fais pas... T'en... Oh oui, la pub. Il y a la pub pour le chat. Vous me dites dès que la pub est plus là. Dès que la pub est finie. Enfin, c'est good. T'en fais pas le moins du monde, Basile. Donc du coup, il nous disait, Basile, que... Aubrey lui avait volé son album photo. Moi et Sony, on s'en occupe. Ah, ok. Merci. D'ailleurs, pour ce que tu as dit avant, on est toujours amis, sache-le, d'accord? Ok. Eh bien, on se voit plus tard. Allez, Sony, pas de temps à perdre. On a un album photo à trouver. Allons vérifier au parc lointain pour avoir des indices. J'en profite un peu pour regarder les autres maisons. Je peux toquer. Ah, mais attends. Ouais, je fouillerai les maisons un petit peu plus tard. Il y a encore pas mal d'endroits dans la ville que j'ai pas regardé, par exemple. Oh, le petit chat. Miaou. Oh. Je suis pas allé là, par exemple. Mais ça, c'est les maisons dont on m'a parlé. Fallait que je garde, ou plutôt que j'enseigne les maths et le français. Laissez-moi vous raconter une histoire. Je rentrais de répartout après avoir acheté quelque chose avec mon argent durement gagné, et quand j'ai regardé en bas, patatras, j'ai perdu mon sécateur tout neuf. Oui, c'est vrai, mon nouveau sécateur a troué mon sac en plastique. Quelle sotte je fais. Pensez-vous pouvoir m'aider à le trouver? Il devrait être quelque part ici. On va ouvrir l'œil alors, oui. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Mamie au chignon jaune. Excusez-moi, désolé pour le dérangement, mais vous m'avez l'air d'être des personnes de confiance. Vous pensez pouvoir m'aider? J'ai besoin de récupérer mes médicaments pour la semaine à la pharmacie, mais je ne me sens un peu faible là. D'habitude, j'envoie ma fille Charlène les chercher, mais elle n'est pas là pour l'instant. Auriez-vous l'amabilité d'aller chercher pour moi? Oui. Merci les enfants. Parlez juste à l'homme de la pharmacie, il comprendra. Ok. Ok, mais ça fait pas mal de missions le sécateur. Les médicaments. Ah, bonjour. Oh, au revoir. Oh, le sécateur. Tu as donné le sécateur à la dame aux lunettes rouges. Merci les garçons, je vais m'assurer de ne plus jamais faire une erreur aussi bête. C'est rare de voir de jeunes garçons et des inconnus de nos jours. N'hésitez pas à venir chez moi quand vous voulez. Vous serez toujours les bienvenus. Toum, 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 toum. Et alors, je suis bienvenu, let's go. Et ça me débloque l'accès à... Waouh! Très grand canapé. La cuisine. La salle à manger. Et j'imagine la salle de bain, la chambre. Hey, ça ressemble beaucoup à ma maison, c'est bizarre ça. C'est très bizarre. C'est très 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 bizarre. Un tapis de yoga. Le yoga est bon pour nous car il renforce la connexion entre le corps et l'esprit. Enfin, c'est ce que maman t'a dit une fois.
Salut vous deux, je ne m'attendais pas à vous voir aussi tôt. Regardez juste ici. Prendre soin de ces bonsaïs, c'est ma passion. Cela m'aide à soulager mon stress. Après ça, je vais commencer à préparer le dîner de ce soir pour mes enfants, Kim et Vance. Ils n'ont pas intérêt à être encore en retard ou sinon... Coupe très fort même. La salle de bain. Oh, il est plus là. Il m'a pas suivi. Un miroir. On peut pas voir son reflet dans le miroir. Attends, il y a peut-être des ramen dans les toilettes. Non. C'est la chambre des deux petits. Du coup, j'ai cru que c'était Aubrey, du coup, avec ses cheveux roses. Ils sont trop mignons, tous les deux. Celui est un peu mou, mais globalement, il n'est pas trop mal. Un tas de livres, des bandes dessinées, des magazines. Et du coup, là-bas, la chambre de la maman. Avec un livre. Il y a un livre ouvert sur la table. La taille doit être faite régulièrement. La taille doit être faite régulièrement pour entretenir la forme de votre bonsaï. Ah mais c'était Aubrey. Ah mais du coup moi je pensais que mais on m'avait parlé de deux enfants là. Truc et mûche. Attends mais... Kim et Vance. Voilà ses enfants. Donc là, pour moi, cette chambre, c'était la chambre de Kim et Vance. Mais peut-être que c'est pas... Oui, c'est pas forcément eux deux sur la photo. C'est peut-être Kim's ou Vance avec Aubrey. D'accord. Je suis long à la détente, excusez-moi. Très bien. Bon, et les autres maisons, là? Vous m'avez dit de venir faire le prof. Bien le bonjour, comment puis-je vous aider? Tu as donné le prospectus vert à la directrice de l'école. Ah, je vois, vous êtes là pour mon fils, Brent. Vous êtes deux, mais vous avez l'air d'être des gens de confiance. Je suppose que deux tuteurs peuvent en vouloir mieux, enfin plus qu'un, tant que vous partagez le paiement. Haha. Entrez, Brent vous attend dans sa chambre à l'étage. Et hop, une maison de plus. Waouh, il y a beaucoup de... Waouh, il y a plein de bureaux. Il y a beaucoup de... Une maison de plus à visiter, je disais. Il y a un livre ouvert, à ce stade nous commenterons brièvement comment les éléments de la matrice et de la théorie des perturbations entre les états initiaux et finaux de vagues planes peuvent être utilisés dans des problèmes d'états liés. Évidemment, nous ne pouvons pas appliquer directement la théorie des perturbations pour calculer les énergies des états liés. Cependant, nous pouvons d'abord obtenir des énergies d'états liés approximativement, blablabla. Tu reposes le livre, évidemment. Bon, j'imagine que les cuisines, ça sera toujours pareil, les salles à manger pareil. Et cette salle-là, c'est toujours la salle un petit peu qui change. Tout à l'heure, c'était une salle de yoga, là, c'est une bibliothèque. Donc, la chambre du parent, des parents. La salle de bain. Il me suit pas dans la salle de bain, c'est marrant, ça. Et il y a un livre. Cette maison remplie à ras-bord de livres sur tous les sujets. Celui-ci est à propos de ce qu'on appelle science mathématique. Bonjour Brent, garçon à l'air intelligent, vous devez être mes tuteurs. Enchanté, je m'appelle Brent, on commence? Oui. Ah, ok. Ok, quel. D'accord, voici la feuille d'exercice sur laquelle j'ai des difficultés. Cette équation me pose problème. Oh putain. J'ai pas 204. Oh non, il va falloir faire ça. Oh, d'accord, je comprends maintenant. Et pour celle-ci? Oh, bon, 5 fois 3, 15 plus... après, il y aura 3. 15 plus 15, 30, moins 1, 29, plus 3, 32. Oh, d'accord, je comprends maintenant. Et pour celle-ci? Bon, donc ça fait... Mais moi, je sais plus faire ça, moi, depuis... moins 3x moins 7x. Moins 3x moins 7x est égal à 20. Comment on fait déjà? Attends, je vais plutôt faire passer ça de l'autre côté. Non, je vais le laisser comme ça. Moins 3x moins 7x. Ça fait
Moins 3, moins 7. C'est quoi moins 3, moins 7? Comment ça on réfléchit déjà à ça? Je suis à moins 3. Je fais moins 7. Donc je pars à moins 10. Ou je pars à plus 4? Moins 3, moins 7, ça fait quoi? Ça fait moins 10 ou ça fait plus 4? J'ai un doute, je sais plus. Je sais plus, je suis plus allé à l'école depuis 10 ans, moi, je me rappelle plus du tout. Je suis à moins 3, si je lui fais plus, je pars vers les positifs, donc je fais moins. Donc je vais dans les négatifs, donc c'est moins 10x. Moins 10x égale 20. Donc je fais moins 10x divisé par moins 10. Là, ça fait x. Donc x est égal à 20 divisé par moins 10. 20 divisé par 10, ça fait 2. Donc ça fait moins 2 au final. Oh, d'accord. Je comprends maintenant. Phew, je pense que je comprends ça bien mieux qu'avant. Merci. Brent, comment ça va? Je vois que tu as fini ta feuille d'exercice. Bien joué, tuteur. Voici ta récompense pour ton aide. 20$. Bon, en vrai, c'était pas du tout... C'était vraiment pas une équation compliquée du tout. Hein. Tu la poses à l'écrit, ça se finit en 2 secondes, en fait. Mais c'est juste qu'il y a des règles de base de maths que j'avais complètement oubliées, genre... Hein. Comment... Quand on est dans le négatif, tu vois, j'avais oublié. Mais en fait, c'est juste logique quand il réfléchit 2 secondes. Mais ça fait vraiment, pour le coup, 10 ans que j'ai pas refait de maths de ma vie. Donc, c'est le genre de truc que tu oublies. Mais que tu oublies en 10 ans, et que la vie n'a pas besoin... Tu n'en as pas besoin dans la vie, pour le coup. N'hésitez pas à revenir demain. Poum 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 poum. De toute façon, les équations avec un seul inconnu, c'est ce qu'il y a de plus simple. Dès qu'il y a x et y, là, ça commence à être un petit peu plus chaud. Allez, on va aller faire du français maintenant. Français, je suis un peu moins bon, pour le coup. Salut! Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Tu as donné le prospectus bleu à Gros Sourcil. Eh mais c'est le mec dans Naruto ou quoi là? Vous devez être les nouveaux tuteurs de français de Joy. Un entretien n'en vaut pas la peine. Vous êtes censé avoir un niveau de CE1. Ah, CE1, je pense que ça devrait le faire. Dépêchez-vous d'entrer. Les maths de tout à l'heure, c'était pas CE1 par contre. Hein, je vous arrête. Hein. Ma fille Joy vous attend dans sa chambre. Les équations à une inconnue, c'est quoi? C'est 5e, je dirais. 5e ou 4e. Joy devrait être dans sa chambre maintenant. Merci pour votre aide. Oh, par contre, il y a une photo avec 2 bougies. Ça sous-entend quelque chose. Eh, hey, il a pas de porte en bas, lui. La photo d'un inconnu. Il a 2 lits séparés. Oh. Ok. Je note aussi. Non, seconde, MDR. Ah non, pas seconde. Quatrième, troisième, seconde, perso. Mais quoi? Mais oui, si vous apprenez ça en seconde, vous avez pris quoi en troisième, quatrième, cinquième? À faire des triangles ou quoi, là? Non, peut-être... Alors, cinquième, j'ai peut-être exagéré, mais peut-être quatrième, alors. Troisième, seconde... Après, peut-être que comment on dit? Les programmes ont changé depuis l'époque où j'étais, moi, en quatrième. En quatrième, t'as quoi? T'as... Quel âge? 13, 14 ans, un truc comme ça. Donc c'était il y a 14 ans pour moi. Oui, peut-être qu'en 14 ans, les programmes ont changé, oui. Bonjour. Coucou, moi c'est Joy, ravi de vous rencontrer. Vous devez être mes nouveaux tuteurs. Devrions-nous commencer maintenant? Oui. Allez hop, toi tu vas t'allonger sur le sac à dos, sur le lit. Donc tu vas faire de la guitare. Voici la feuille d'exercice sur laquelle je suis coincé. Cette question me pose quelques problèmes. Mon crayon est... Ah oui. Attends, et ça c'est niveau CE... CE1 il a dit? Ah quoique, oui CE1. Bon, oui quand t'es en CE1 t'es tout... T'apprends à lire au CP je crois. Si je me rappelle bien. C'était au CP que j'ai appris à lire et à écrire. Mon crayon est sur la table. D'accord, je vois maintenant. Et pour celui-ci, dans la phrase... Lisez silencieusement votre livre. Quel type de mot est silencieusement? Oh non, mais moi je sais plus tout ça, je sais plus du tout. Lisez-le de manière silencieuse. C'est pas un adjectif, c'est un adverbe, je dirais. D'accord, j'en sais rien du tout. J'ai répondu par élimination. Celle-là, c'est la plus dure.
Laquelle de ces phrases est écrite correctement? Les aubergines sont meilleures quand elles sont cuites. Il manque peut-être le S à la fin de cuite. Quand elles sont mordues, donc ouais, il manque le S. C'est définitivement, il manque le E, meilleur que le tofu. Les aubergines sont les meilleurs légumes. Pour moi, c'est la C. D'accord, je vois maintenant. Merci, je pense comprendre un petit peu mieux. Bonjour, bonjour, Joy, comment ça va? Est-ce que les tuteurs t'aident bien? Ah, je vois que tu as déjà fini ta feuille d'exercice. Mais du coup, en fait, je les aide pas, les petits, là, depuis tout à l'heure, je leur donne juste les réponses. Je leur apprends rien. Excellent travail, vous devriez devenir des tuteurs à plein temps, voici votre salaire. Bon, je suis riche, les gars, je suis trop riche. Revenez demain, s'il vous plaît. Ah, et tous les jours, on revient, il y a des nouveaux exercices. C'est comme Animal Crossing, le truc. Boum, 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 boum. Trop bien, merci, au revoir. On s'est fait... On est à 82$ là, qu'est-ce qu'on fait? On achète une maison quoi? Ah oui, ses médicaments, la pauvre, elle va mourir depuis le temps qu'elle attend, la vieille. Je l'avais oublié. Alors... Les médocs, c'est là-bas. C'est dans le supermarché. Dans le Altermarché, excusez-moi. Altermarché dans lequel on ne peut pas courir. Et peut-être qu'après, quelqu'un va nous demander des bonbons et tout ça. Bonjour, comment puis-je vous aider? Ah, tu as donné l'ordonnance et la carte d'identité au pharmacien. Vous êtes là pour récupérer des médicaments. Je sais pour qui c'est, je vous apporte ça tout de suite. Tu as obtenu les médicaments de mamie. Vous venez récupérer ces médicaments à la place de sa fille aujourd'hui? Je ne suis pas vraiment censé donner des médicaments comme ça, mais je fais une exception pour elle généralement puisqu'elle ne peut pas venir d'elle-même. Merci de l'avoir aidé, bonne journée les enfants. Si vous avez besoin de pansements ou de trousses de secours, j'ai ce qu'il faut ici. Très bien. C'est noté. Allez, on repart, on va lui apporter les médicaments, elle va nous filer 1000 balles. On va être trop bien. Et après on va retourner au parc voir le gang des trottinettes. C'était là. Et après, il faudra aller visiter un petit peu les maisons qu'il y a en bas. Vous êtes de retour. Tu as donné les médicaments à mamie. Pardonnez-moi, merci beaucoup. Vous avez été d'une grande aide. Ça fait plaisir de voir des jeunes nous aider, nous les vieux. Vous êtes les bienvenus chez moi à tout moment. Let's go! Cookie time chez mamie. On a bloqué toutes les maisons. Ma plus jeune fille est d'habitude si attentionnée avec moi, je me demande où elle est. Elle a toujours été assez calme, mais elle s'est fait beaucoup de nouveaux amis récemment. J'espère qu'elle ne m'oubliera pas. Oh, c'est triste. Un tas de lettres adressées à maman. Les adresses de retour proviennent de tous les pays. Il faudra qu'on visite la cuisine, je suis sûr qu'on va trouver des choses bonnes là-bas. Oula! Il habite chez mamie et... Oula! Mec flippant. Si vous vous demandez pourquoi je suis plus... Pardon, si vous vous demandez pourquoi je suis bien plus pandémique que vous l'êtes, c'est uniquement grâce à mon cursus de philosophie. Ma titularisation m'a mené à la plus éléphantesque des découvertes. Le monde est 1000 ans trop en arrière dans le temps pour comprendre mon génie. Ne me laconisez plus avec vos occupations, vous ne pouvez percevoir ce que j'interjette dans vos télencéphales de toute façon. Quelques bandes dessinées étranges. Et oui, ce périphérique que vous contemplez là-bas m'est dûment promis. Il me plairait que vous gardiez vos appendices optiques dans leur gaine. Elle assimile ma Cosette mieux que quiconque et quiconque. Elle est si douce et nous nous aimons. Laissez-nous tranquilles maintenant. Un tas de petites figurines étonnamment en bon état. Des ordures, ça sent la nourriture pourrie. Hey, déchets. Donc déchets, c'est quand il y a des mouches. Hein. Ah ouais, quand même. La chambre de mamie. La petite salle de bain où je n'ai pas été accompagné étonnamment. Ah mais du coup la baignoire de mamie, elle a des... comment ça s'appelle? De quoi se tenir. Les toilettes aussi. Ils ont de quoi se tenir pour s'asseoir ou pour entrer dans le bain.
C'est bien pensé, ça, j'avoue. Et la chambre, donc, de la fille, du coup, dont la grand-mère nous parlait. Tu vas aller jusqu'à quelle heure? Oh, jusqu'à minuit. À peu près. Bah, c'est bien cosy chez elle, je trouve. Hein. Bien sympa chez mamie. Allez, on file, on a encore d'autres lieux à aller visiter dans cette petite ville. Hein. Ouais, ici en bas, on n'a pas tout regardé. Il y a plusieurs autres maisons. Chez machin, est-ce qu'il est encore là? Personne répond. Peut-être que Basile est aux toilettes ou un truc dans le genre. C'est pas grave, on le verra plus tard. On a un album photo à trouver. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est la mission qu'on a, nous. Oula, la maison est un peu... Pas de réponse. Je note. Pas de réponse non plus. Oh, un artiste peintre ici. Une. Hé, l'étranger, tu arrives juste à temps pour m'aider à juger mon dernier travail en cours. Hein. Impeccable. Oh, le chien! Bon toutou. Ouf, ouf. Ouf, 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 ouf. Lucas, arrête tes bavardages. Je l'appelais Lucas. Regarde ce croquis. Qu'est-ce que t'en penses? Le dessin manque de dynamisme, n'est-ce pas? Oui. Merci, c'est ce que je pensais aussi. Tout me revient maintenant. L'inspiration a frappé. Et voilà! C'est bien mieux comme ça. Je peux déranger une minute, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Je pourrais peut-être détailler un peu plus le personnage. Je sais, je peux ajouter quelques détails juste ici, ici et ici. Ça pourrait marcher. Oui. Bien sûr, c'est tellement évident, on trouve pas. Ok. Et voilà. Mais j'aimerais le voir, moi, le dessin de plus près. Tu penses quoi de la couleur? Devrais-je faire le fond en rouge ou en bleu? Attends, réponds pas. Ce serait certainement mieux avec un fond rouge, n'est-ce pas? Totalement d'accord. Le rouge est sans doute le bon choix ici. Il portera cette peinture jusqu'à un autre niveau. L'inspiration a encore frappé. Et voilà. La peinture est enfin terminée. Je n'aurais jamais pu le faire sans toi. Mais je veux la voir. Mais je veux la voir. Tout me revient maintenant. Oh, c'est dommage, on la voit pas. C'est frustrant. Je suis très frustré. Une peinture inachevée. Elle dort au sol. Petite salle de bain. Et une autre chambre ici. Ok. Bon. Eh bien écoutez, on a fait absolument tout ce qu'on pouvait faire dans cette ville pour l'instant. On va donc aller chercher l'album photo de Monsieur Basile. Auprès de Aubrey qui nous l'aurait donc volé. Et là, il y avait un combat. Donc j'y suis, autant de le faire. C'est pas un combat, c'était un souvenir de combat. De l'époque où on se combattait avec les copains. Tiens, j'ai ramassé plein de détritus. 6$, merci, c'est cool. Alors, des indices. Bonjour. Oula, l'arbre, il a froid ou quoi? Il tremble, l'arbre. On dirait qu'Aubrey n'est pas ici. Oh, attends, je te connais, toi. Tu t'appelles Charlie, c'est ça? Je te vois souvent traîner avec Aubrey. Tu sais où elle est? Tu sais, Charlie, ça se voit que t'es pas du genre à être méchante. Aubrey a pris un truc important à Basile et on doit le récupérer. Y a moyen que tu nous aides? Wow. Ok. C'était fort. Qui, quoi, qui, où? Pourquoi t'as fait ça? Ah, si c'est pas Kel et le mec chelou au couteau, des adversaires de taille contre le grand et puissant Angel. Enfin, il est l'heure pour vous de connaître votre perte. Angel, on n'a pas le temps pour ça. On a juste envie de trouver Aubrey. Est-ce que tu sais où elle est? Vous êtes à la recherche d'Aubrey, c'est ça? Intéressant, je vais vous dire ce que je sais. Mais avant, vous devez me battre lors d'un combat. Un combat? Mais je veux pas... Mec, on a un couteau. Je veux pas frapper un gosse. Tu ne réussiras même pas à me toucher. Allez, on y va, Charlie. Ah ouais. Mais elle est super grande. Elle est giga grande. On va se faire défoncer, mec. Bon, ben... Angèle, hein, désolé. Angèle, il a des ailes d'ange sur son débardeur. On va augmenter l'attaque.
Il a pris 10 dégâts, il se tient là. Il a pris 27 dégâts, ok. Oh, il a encore pas mal de vie. Le ballon dans la tête. Eh, hey, tu m'as surpris, Kel. Tu ferais un rival de taille pour mon maître. On n'a pas pu vraiment se soigner depuis un moment en plus. Ni sauvegarder aussi d'ailleurs. Si je meurs, putain, j'ai peur qu'il y ait le game over et que je dois tout recommencer, ce serait terrible. Ah, tu vas le payer. Comment ça se fait? Mon entraînement, tout ça pour rien? J'ai mal à la tête. C'est toi qui as commencé. Espèce de brute! Ok, Angèle, c'est le moment d'être sérieux maintenant. On vous a battu, Charlie et toi. Alors dis-nous où se trouve Aubrey. Une promesse est une promesse, j'imagine. Je vais tenir ma parole et vous dire ce que je sais. La vérité, c'est qu'Aubrey est quelque part dans Lointainville, probablement. Mais Angèle, tu ferais mieux de pas le faire l'idiot, sinon je vous ai dit ce que je savais. Et la vérité, c'est que j'en sais rien. Angèle, tu ferais mieux de nous dire où elle se trouve maintenant, ou alors je raconte tout à tout le monde la fois où tu t'es pissé dessus. Enfin, je raconte à tout le monde la fois où tu t'es pissé dessus en colo. Eh quoi? Tu peux pas faire ça, c'est de la triche. De toute façon, je ne sais vraiment pas. Peut-être que tu peux demander à mon maître, le marginal, c'est le gardien du savoir. Il me l'a dit lui-même. Le marginal? Oh non, tu veux dire ce gosse chelou, Michael? Ne t'avise même pas de l'appeler par ce nom. Il serait outré par cela. Je vois, donc c'est lui. Où est-ce qu'on peut trouver Mika? Enfin, je veux dire, le marginal. Je vais vous dire ce que je sais, mais vous devez d'abord m'affronter. Il a dit m'affronter? Eh bien, je peux raconter à tout le monde la fois où... Ok, très bien, je vais parler. Le maître est allé à la fontaine de la place de Lointainville. Il a dit qu'il y allait pour rencontrer des filles, pour un rencard ou un truc du genre. Burke? Dégueu. Allez, Sony, allons à la place de Lointainville. Je pense qu'il n'y a plus rien à faire ici. Ok. Je vais aller sauvegarder un coup. Parce que ça fait longtemps qu'on l'a pas fait. Je sais qu'on pouvait le faire ici. Oh, le chien! Ah, il veut pas que j'aille chez lui, c'est vrai. Voilà, il y avait ça ici chez moi. Ah oui, j'avais pas sauvegardé depuis 1h10 déjà. Ah oui. J'ai bien fait. T'as vu, le jeu il plante, je dois me retaper 1h10 de jeu. Et en bas à gauche, il y a quoi d'ailleurs? On a regardé ici? Oh mais attends, on n'est jamais venu ici maintenant que j'y pense. Enfin, je crois, hein. Pas de réponse. Ah, ça me dit rien ça, cet endroit. Pas de réponse non plus. Oh. Qu'est-ce que c'est? Et il me dit rien? Ok. Pas de réponse. Ah, c'est le mec grognon. Les enfants, vous arrivez juste à temps pour me regarder réparer cette canalisation une bonne fois pour toutes. Entrez. Oui, il m'avait dit ça. C'est vrai. Ah oui, déjà que t'as un tapis qui est géant, effectivement, il doit être bien imbibé d'eau. Ça doit être chiant. Et par contre, il y a beaucoup de détritus chez toi. Encore quelques ajustements de dernière minute et je pourrai enfin laisser ce bébé se reposer. Il a de la canalisation comme ça dans son salon. C'est étonnant. Ah, enfin le doux son du silence. Oh oh. Zut, j'imagine que je réessayerai demain. Ok. Voilà $1 les enfants. Allez vous chercher des bonbons ou quelque chose du genre. Bah, c'est gentil monsieur, merci. Bon, on en profite pour ranger chez vous tant qu'on y est. Pas de détritus. Pas de... Ah, c'est la chambre de deux enfants ici. Et des croix chrétiennes au mur, j'ai vu. Non mais il a une fuite dans sa baignoire aussi, le pauvre, là, c'est terrible. Il a des fuites partout. Il s'en sort pas. Pas une tasse d'outils, c'est complètement con. Ok, merci, au revoir, monsieur. On va aller à gauche un peu. C'est l'église. Le vieux vélo bleu d'Aubray. Ah mais Aubray, elle est ici. On dirait qu'ils sont en train de mettre en place un sermon. T'aimerais pas passer tes derniers jours à rester à l'église, non? Ah donc tu veux pas que j'y aille? D'accord, je note.
Cimetière de Lointainville. Ok, bon, on va aller à la fontaine comme ils m'ont dit de faire. Par contre, il faudrait qu'on trouve un moyen de se remettre de la vie un petit peu, parce que si on a encore d'autres combats qui s'enchaînent après, on va peut-être pas s'en sortir à force. On va s'acheter des pansements et tout ça. Ils sont donc là. Il est là, je veux dire, le marginal. Et après, je lui ai dit, c'est pas marginal, c'est le marginal. Oh, le marginal, tu es si drôle. Oh, c'est une histoire incroyable, le marginal. Les filles, du calme, il y en aura pour tout le monde. Michael, qu'est-ce que tu fais là? Ah. Si ce n'est pas Kel, mon ennemi juré. Tu es enfin ici pour admettre ta défaite, n'est-ce pas? J'ai pas le temps pour ça, Michael. On cherche Aubrey, est-ce que tu l'as vu quelque part? Arrête de m'appeler comme ça. J'ai rejeté ce nom depuis fort longtemps. Michael, est-ce que tu sais où elle est ou pas? Encore ce nom maudit. Comment oses-tu me ridiculiser? Moi, le marginal, je ne le tolérerai pas. Préparez-vous à sombrer. Regardez ça, les minettes. Je vais nettoyer le sol avec ce bouffon. S'il te plaît, Michael, ne t'inflige pas ça. Je vais te le demander une dernière fois. Affronte-moi, Grotta. Fais pas ta poule mouillée. Ouais, on va vraiment devoir en arriver là. Ok, bah allez, Sunny, abattons-le. Hein. Ah ouais, d'accord, c'est Sanji, quoi. Le marginal. Oh, quel pitoyable idiot. Tu n'as aucune chance contre le marginal. Bon, en espérant qu'il ne me fasse pas trop mal, du coup. Il va nous augmenter l'attaque pour ce combat. On va l'attaquer de combien, là? 23. Ça va, tranquille. Oh, par contre, il a pas mal de vie. Il attaque à combien, là? J'ai pas vu. Ah, il a pris 40, là. Il a pris 24. Je suis à 37 et 36. Ah oui, je prends cher par contre. Pas mal. Mais ce combat ne fait que commencer. Oui, c'est ça le problème, c'est qu'il fait que commencer, j'aurais dû me soigner avant en fait. J'aurais vraiment dû me soigner avant. Ça agit en premier, réduisant les coûts reçus. Ok, d'accord. Et toi, Sunny, est-ce que t'as moyen de soigner? J'ai que un bonbon. J'ai qu'un seul bonbon. Je vais l'utiliser sur lui. Et toi, tu vas parer. Le bonbon avait une texture caoutchouteuse et un goût fruité. Le bonbon ne redonne pas de la vie, je crois. Je crois que je me suis complètement emmêlé les pinceaux. Tu peux utiliser ce calmer pour te soigner normalement. Putain, quel con. Retire toute émotion et soigne un peu de cœur. Oui, mais moi, mais pas lui. Gadget, peut-être? Pansement. Ah, mon dieu, c'était là. Je me suis trompé. C'est un pansement. Soigne 150 cœurs. Ouais, je peux lui donner ça directement, hein, tu me diras. Et toi, tu vas encore une fois parer. J'ai vraiment fait n'importe quoi. Mais alors du coup, il faisait quoi exactement, le bonbon? Il donne 1 PV. Ah oui, c'est l'impression que j'ai eue. Il est passé de 7 à 8 PV, c'est ça? N'importe quoi. Oh, pardon, je perfectionnais juste mes techniques pour le moment. Tu n'atteindras jamais mon niveau de compétence. Tu vas tomber, Kel. Est-ce que c'est tout ce que tu as dans le ventre? Je n'ai utilisé que 10% de ma force. Admire ma forme finale. Il y a combien de vie? Oh, il a... on a déjà enlevé plus de la moitié. Je parie que tu regrettes ta décision maintenant. Je suis juste bien trop cool pour toi. T'es rien qu'un loser. On va continuer à spammer les attaques. Hein. C'est juste une question de temps avant que vous ne vous épuisiez. Ma victoire est imminente. Je fais pas très très mal avec le point quand même. Peut-être que mon attaque a baissé, il aurait fallu que je la réaugmente un petit peu. J'avoue, je suis impressionné, mais t'es encore à des années-lumière de me vaincre. Non, c'est impossible, improbable, absolument inconcevable. Ah, il a plus beaucoup de vie, là. Non, je ne laisserai pas se terminer comme ça.
Non, ça ne peut pas en être fini de moi. Peuple de la Terre. Prêtez-moi votre énergie. Ah, j'ai la ref. Prêtez-moi votre énergie. Oh, waouh, mais attends, il a vraiment... Il est en train d'accumuler du ki, là. Il a de l'énergie qui arrive. Burke, qu'est-ce qu'il lui prend à ce mec? Il est trop naze. Ça ne vaut pas 10$, partons d'ici. Eh, les minettes. Pitié, revenez. J'ai encore de l'argent. Waouh. Il a une perruque blonde. Michael, il n'y a personne ici de ce nom. S'il te plaît, je ne te demanderai plus jamais quoi que ce soit de ma vie. Dis-nous juste où se trouve Aubrey et on s'en ira. Ok, très bien. Et il se trouve que je sais où elle est. Et je vais vous le dire. À une condition. Tu dois m'appeler par mon vrai nom, le Margin. Ok, oublie ça. Partons à la recherche de Kim. Elle doit probablement savoir où est Aubrey. Et elle et Vance sont accros au sucre, donc mon petit doigt me dit qu'ils sont probablement pas loin des bonbons. Je ne vous dirai pas où est Aubrey à moins que vous ne m'appeliez le Marginal. Il est fou. Il est complètement fou. Bon, le rayon bonbon. On sait où c'est maintenant. On connaît le lieu. On connaît la zone. Et ils sont là, en bas, à droite. Oui, on aurait dit qu'il avait fait une Jojo pose, ouais. J'y ai pensé pareil. Connaissant Kim et Vance, ils sont probablement quelque part par ici. Et après, on va passer à l'infirmerie, se prendre un petit peu de pansement et se re-soigner. Les voilà. Vite, Vance, fourrons tout ça dans nos poches avant que quelqu'un nous voie. Kim, est-ce que tu as vu Aubrey quelque part? Mince, c'est quel le bolos? Allez, Vance, on doit se tirer. À moins qu'on se batte avec eux. Les mains en l'air, je crois pas que vous ayez payé ces trucs. Casse-toi, bolos, tu me connais pas. Eh oh, calmos, je vais pas cafeter. On doit juste trouver Aubrey, vous savez où elle est? Aubrey, j'en sais rien du tout. Et même si je le savais, je te le dirais pas. Pfff, j'en ai assez eu pour aujourd'hui. Kim, faisons un deal. Tu me dis où se trouve Aubrey, et je vous balancerai pas d'avoir volé tous ces bonbons. Je croyais que t'avais dit que t'étais pas une balance. Et je n'aurais pas besoin de l'être si tu me dis juste où est Aubrey. Encore vous deux? Je vous ai pas dit de plus revenir ici? Oh oh. Donnez-moi les bonbons volés. Ne me faites pas appeler les flics. Sourire, sourire. On s'est fait choper. Très bien. Prends tes bonbons. Allez Vance, tirons-nous de ce trou. Donc sur la photo, c'était Kim. Avec Aubrey. Bien fait! Mais du coup, ils ne nous ont pas répondu, en fait. Attends, comment on va savoir où est Aubrey, maintenant? Allez, Sony, suivons-les. Oula. Attends une seconde, Sony. Je crois que j'ai une idée. Mis à part ça, ça va, le chat? Passez une bonne soirée, sinon. On est déjà à 3 heures de gameplay ce soir, on est à 3h30 de stream. Il ne reste plus qu'une petite demi-heure à profiter encore du jeu et après le stream va s'arrêter malheureusement. Moi ça va très très bien, ouais. Très bien, merci beaucoup. Ça passe trop vite MDR. Oui, c'est vrai que ça passe vite. C'est vrai que ça passe vite, on se rend pas compte. Merci Glu le chat qui a resub pour son 31e mois. Merci Unali pour les 6 mois de resub. Je passe en coup de vent pour me resub, je suis plus de la team rediff et ça faisait longtemps que j'étais pas passé. Pourtant je te suis depuis avant l'appareil dentaire, waouh. PS toi les modos, plus fort, ben merci beaucoup. Tu me suis depuis très longtemps, merci. Et c'est gentil d'être passé juste pour resub. S'il y en a qui écoutent la rediff, évidemment, vous êtes que team rediff mais que vous possédez quand même Amazon Prime, n'hésitez surtout pas à passer, même hors stream. Hein. Vous passez, vous lâchez votre Prime, vous repartez, et moi j'en serais très très heureux. Merci Lovely1604 pour les 14 mois de resub, merci beaucoup. Désolé pour le retard, allons rattraper Kim et Vance. On va aller faire le plein de médicaments tant qu'on y est. Enfin, de pansements plutôt. Alors, pansements, je vais t'en prendre. Attends, je vais t'en prendre, j'ai dit. J'ai combien de sous? Ouais, je peux m'en prendre au moins 6. Par contre, les trousses de secours, ça c'est bien. Attends, j'en veux plus. Allez, 7. Et on va se soigner maintenant. Avec un pansement sur lui.
Et... bon, j'arriverai à... ouais, plutôt une trousse de soins. Il a vraiment beaucoup de PV, lui. Allez, on est bon. Et attends, équipé. J'ai pas d'arme. Ah! Et ça ne change rien, j'ai l'impression. Il a une pierre de compagnie. Bah écoute, je vais me mettre un truc. Quitte à avoir rien, autant avoir une boule rose rebondissante. Et les aptitudes, j'en ai pas plus après. On n'a pas appris grand-chose sur ce Omori durant ce live. C'est vrai. Je ne peux pas te dire le contraire. C'est complètement vrai. Je me disais la même chose. C'est vrai que ça met du temps à se lancer petit à petit. Nini, désolé Vance, pas de bonbons pour aujourd'hui. Non, pas encore. Je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir. On va mourir. Rentrons juste à la maison. On va être en retard pour le dîner. Attends, Kim. J'ai quelque chose pour vous deux. Encore toi, Kel? Qu'est-ce que tu veux, bon sang, espèce de brute? Dis-nous où se trouve Aubrey. Je vous donne tout ce gros paquet de bonbons. Vraiment? Tout le paquet? Enfin, je veux dire, attends, tu peux pas nous acheter avec des bonbons. Tu nous prends pour qui? Je sais pas, Kim. On n'a pas eu de bonbons depuis toute une semaine. Et il y a un gros paquet juste devant nous. On doit même pas le payer. Est-ce que tu peux au moins demander s'il y a des caramels là-dedans? Arrête ça, Vance. On doit rester fort. Quand on retournera chez papa, on pourra avoir tous les bonbons qu'on veut. Ok, je vais le faire pour toi, Sorette. Kim, Vance, j'attends. Ah, comme si on allait accepter des bonbons d'une bande de bolos. Mince, est-ce sérieux? J'étais sûr que ça marcherait. C'était une perte de temps, tirons-nous d'ici. Oh, il faut que je me remouche encore. Je suis désolé, je suis bien enrhumé en ce moment. Une semaine que je me soigne, plus d'une semaine. Ça fait 9 jours que je me soigne et le rhume il veut pas passer. Attends, s'il te plaît, Kim, tu es la seule piste qui nous reste. S'il te plaît, prends le gros paquet de bonbons. Il y a même des caramels à l'intérieur. Est-ce que quelqu'un a dit caramel? Je vois, ça change tout. Très bien. Tu veux vraiment le savoir à ce point? Réglons ça avec nos points. En parlant de points, je coupe mon micro. Impeccable. Si tu gagnes, je te dirai où se trouve Aubrey. Mais si on gagne, tu nous donnes ce paquet de caramel et tu ne nous parles plus jamais de la vie. Attends une seconde, il n'y a pas besoin de se battre. Si tu me dis juste où aller, je vous donne tout le paquet. Mais je veux me battre. Allez, venez là vous deux, c'est l'heure d'en découdre. C'est quoi votre problème avec la baston? Bien, j'imagine qu'on n'a pas le choix. Sonny, tu connais le refrain. Nous sommes partis. Oh la classe! Ah, je le voyais pas comme ça. Je vais te montrer que la taille ne fait pas tout. Je perdrai pas face à des bolos. Bien, bien, bien. Toujours pas d'aptitude, hein, ça change pas. On va attaquer toi. Toi, tu vas motiver. On va voir. Oh, j'ai pris 6 dégâts. Ok, il m'attaque moi. Et lui, il est triste. Ah merde, il est triste. S'il est triste, ça veut dire que sa défense augmente, sa vitesse baisse. Ok, je note. Attends, et j'ai seulement attaqué une fois. Et je lui ai fait aussi mal, mais ça va aller super vite. Ah, ma vitesse a baissé, pourtant j'attaque toujours le premier. On est tranquille. Hein. Ta tête ne revient pas. Ouais, c'est bon, ça va aller vite. Ça va aller vite, ça devrait le faire. Vous êtes toujours des bolos. Et ça, c'est fait. Maintenant, on va attaquer Vance, qui, j'imagine, doit avoir plus de défense. Pas tant. En 4 tours d'attaque, ça devrait être fini. Aïe, ça fait mal. Ouais. Même peut-être en 3 tours, si on fait des bons dégâts, là. Non, on l'aura pas, là. Il lui reste un petit peu, ouais. Bon sang, tout ce que je voulais, c'était des caramels. Mais tu les auras, les caramels, fallait juste pas se battre, en fait.
Moral de l'histoire, ne vous battez pas. Je n'arrive pas à croire qu'on est perdu. On ne peut pas laisser Aubrey savoir ça. Oh, allez Kim, on doit rentrer à la maison. C'est presque l'heure du dîner et maman va être folle de rage si on est en retard. Mince, partons d'ici. Attendez, où est-ce que vous pensez aller? On a gagné, vous devez nous dire où se trouve Aubrey. Oh, ouais, c'est vrai. Aubrey est à l'église. Bah oui, on avait vu son vélo. Celle à près de sa maison. Hein? Aubrey est à l'église? Elle me regarde pas comme ça, hein. T'es celui qui voulait savoir. Aussi, si elle te demande qui te l'a dit, bah ne dis pas que c'était moi. Dis que c'était Michael ou quelque chose comme ça. Allez Kim, on doit filer. Tu sais comment maman est et quand on est en retard. Ouais, je sais bien, on y va. A plus dans le bus, les bolos. Ok. Oh mince, ils ont pris le gros paquet de bonbons quand j'avais le dos tourné. Ce sont de sacrés petits voleurs. Bon, eh ben, au moins, on sait où se trouve Aubrey maintenant. Du moins, on pense le savoir. Je n'arrive vraiment pas à imaginer Aubrey à l'église. Mais je le croirai quand je le verrai. C'était où la maison de E2, là? J'ai envie de les voir en train de manger avec leur daronne, là. Attends, je vais sauvegarder. Je crois qu'il y avait une sauvegarde ici. Il n'y a pas un truc pour sauvegarder, là? Il y avait deux sauvegardes dans la ville. Une devant ma maison. Et... une ailleurs et je sais plus où aller. Peut-être là? Non, je sais plus où aller. Et la maison du coup que je te disais là. Là, c'est peut-être celle-là, non? Je crois. Avec la vieille? Non. Non, je sais plus. C'était dans le parc. Je suis passé à côté, je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu du tout. La maison de... Ah, c'est peut-être la vieille au... Ah, c'est peut-être la vieille avec les médocs, non? Non. Non, la maison où il y avait la photo. On a vu la photo. C'était où, ça? Personne sait où c'était, cette maison, là? On a vu la photo avec Aubrey dans la chambre. Bien la maison rouge. Ah. Et du coup, il n'y a personne dans la maison. Moi, je voulais les voir en train de manger ensemble et tout. Ah oui, oui, c'est ça, c'était elle. Et du coup, ils sont rentrés, mais ils sont pas là. Ah, dommage, j'aurais bien aimé les voir. Enfin, j'aurais bien... Je me dis, ça aurait été drôle qu'ils soient dans la maison, du coup. Genre, ça fait une continuité dans le jeu, tu vois. Et bon, c'est pas grave, je suis déçu. Oh, Maury ne m'aura juste que déçu en fait, c'est pas grave. J'ai l'habitude d'être déçu. Je comprends. Allez, on sauvegarde et on va aller à l'église. On va aller chercher Aubrey, on va aller chercher l'album photo. Et dans 20 minutes, ce sera la fin du stream, mesdames et messieurs, j'en suis désolé. On continuera à jouer à Maury la semaine prochaine. Alors, eh bien, nous y sommes. C'est vraiment le dernier endroit auquel je m'attendais à la trouver. Je suis un petit peu sceptique, en fait. C'est peut-être un piège. Je vais ouvrir légèrement la porte pour y jeter un coup d'œil. Tout a l'air normal. Je crois qu'ils sont en plein sermon. Oh, la voilà sur la droite. Elle est juste assise, là. Normalement, trop chelou. Je me sentirais assez mal d'interrompre ça. On devrait probablement juste attendre que le sermon soit fini ou un truc dans le genre. Et genre, combien de temps? Veux-tu entrer dans l'église? Bah ouais. Non, non, on n'attend pas, on y va. C'est ouf. Et je ne la vois pas. Waouh, je m'attendais pas à ce que tu te faufiles comme ça, Sony. Eh bien, on peut plus reculer maintenant. Allez, on doit vraiment être silencieux. Je crois que je peux parler avec les gens un peu, ou... Oui, voilà, c'est bien ce que je me disais, je vais pas les déranger. Oh, il y a les quatre en haut à gauche. Parce que c'est les quatre gars qu'on suivait tout à l'heure. La voilà vers la droite. Marchons jusqu'au banc derrière elle. Aubrey. Hé, Aubrey.
C'est pas tes affaires. Vraiment. Pas mes affaires. On était tous meilleurs amis avant. Mais maintenant, c'est plus mes affaires. Ouais, quelle? Exactement. On était amis. Tu sais, Marie serait vraiment triste si elle entendait ça. Hé, hey, vraiment, tu veux impliquer Marie là-dedans? Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce que Marie pense? Marie est morte. Aubrey, sérieusement? Qu'est-ce qui va pas chez toi? Donc en fait, la dernière fois que Sunny, on le contrôlait, la semaine dernière, chez lui, Marie a frappé à la porte et tout, et il y avait comme un espèce de truc chelou là, un espèce de jumpscare en fait. Ah. Mes anciens amis. Mes anciens amis n'étaient pas là quand j'avais besoin d'eux. Donc c'est pour ça, quand Marie est décédée, on affrontait chacun nos propres problèmes. On était des gosses. C'était dur. Tu penses que tout est si simple? Tu as toujours été simple qu'elle. Et alors, je préfère être simple que d'être comme toi. Comment as-tu pu faire ça à Basile? Tu sais à quel point son album photo est important pour lui. Il est important pour nous tous. Ça veut pas dire que t'as le droit de le voler. C'est ce que Basile t'a dit. Je suis celle qui le garde en sécurité. De quoi tu parles? Cet album photo appartient à Basile, et je ne partirai pas tant que tu ne seras pas d'accord pour le rendre. Ah, tu es si tenace. Quand Marie est morte, tu as fait ton deuil si vite. Tu sais pourquoi je viens ici chaque semaine? Parce que même après tout ce temps, j'essaie encore de trouver de la paix. Mais on ne dirait pas que ça arrive. Mais on ne dirait pas que ça arrivera aujourd'hui. Ça fait 4 ans qu'on ne sait pas parler qu'elle. Beaucoup de choses changent en 4 ans. Sunny et toi, vous pensez que vous pouvez débarquer dans ma vie comme ça et me dire quoi faire? Ne soyez pas si naïf. T'as beau avoir l'air différente et agir différemment auprès, tu es toujours la même personne. La auprès que vous connaissiez est partie depuis longtemps. Et la auprès qui était ton amie, elle est partie depuis longtemps, elle aussi. Ok, d'accord. Je comprends que tu sois en colère. Écoute, si c'est des excuses que tu veux, les voici. Je suis désolé, ok? J'aurais dû être là, pour toi, quand on a perdu Marie. Non, je n'accepterai pas ça. Attends, où est-ce que tu vas? Je ne peux pas te laisser partir. Ah, il y a tout le monde qui me regarde. Je ne peux pas te laisser partir sans que tu... me promettent que tu rendras l'album photo de Basile, espèce de voleuse. Qu'est-ce qui se passe? Basile? Ce n'est pas le garçon qui... J'ai vu Aubrey et ses amis le harceler. Maintenant, elle se met à voler aussi. Oups. Tu crois que t'es le gentil? N'est-ce pas qu'elle? Et moi, la grande et méchante harceleuse? Ici, pour terroriser le pauvre Basile sans défense? T'es celui qui traîne avec le psychopathe qui se balade avec un couteau. C'est pas le moment de faire ça, Aubrey. C'est pas à toi de dire ça. T'es celui qui a débarqué ici. J'ai déjà dit que j'étais désolé pour tout. Si tu veux que je sois une harceleuse, alors je serai une harceleuse. Vous feriez mieux de vous ramener, ou sinon je le fais en premier. On va pas se battre dans l'église. Ah, on va se battre dans l'église. Je suis quasi sûr que c'est pas très cool de faire ça. Bien, bon, on attaque. Et toi, tu vas m'augmenter. Bien que non, toi, j'aurais dû te donner à te soigner en fait. Oh, oula, ok, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse aussi mal. Regarde ses vêtements, c'est complètement indécent dans une église. Je suis dans la merde. Parce que je peux pas le réanimer lui normalement. Quoique, c'est pas une tranche de pain de mie. Et si c'est pas une tranche de pain de mie? Peut-être que le pansement peut fonctionner. Ah non, ça ne me soigne que moi en fait. Oh, mais en fait, en deux coups je perds. En deux coups j'ai perdu. Et puis j'ai perdu. Peut-être que c'est prévu que je perde.
Bien fait pour toi, Kael. Maintenant, fichez-moi la paix. Ah, j'ai consommé un produit pour rien, en fait. Oh merde, j'ai consommé un kit de soins pour rien, je suis con. Depuis que son père est parti, elle est si incontrôlable, irrespectueuse. Je plains sa mère. Ah, c'était prévu que je perde, en fait. Mince, je sais qu'elle est un petit peu perturbée ces derniers temps, mais j'ai quand même de la peine pour elle. Peut-être que c'était une mauvaise idée. Il était temps que cette fille s'en aille. Maintenant, peut-être que tous mes amis reviendront à l'église. Je voulais juste passer mon jour de congé en paix. Je me réserve de vous juger. C'est le Seigneur qui le fera. Où sont vos manières à vous battre ainsi? Vous devriez avoir honte. Notre famille va à l'église une fois par semaine, parfois deux fois, parfois trois fois. D'habitude, je ne consigne pas les bagarres au milieu d'un sermon, mais là, ça avait l'air d'être vraiment important. Cette fille Aubrey a l'habitude de venir ici toutes les semaines depuis quelques années, mais elle ne parle jamais à personne. J'ai essayé de l'approcher quelques fois, mais elle n'arrête pas de me traiter de mauvaises choses. Elle a l'air vraiment troublée. Un ami ne lui fera sûrement pas de mal. Un piano à queue. Ah, le cimetière, bien sûr. On peut pas courir dans le cimetière. Vieux barbu, cette parcelle est assez calme, n'est-ce pas? On ne peut pas entendre ce tohu-bohu des rues ici. Les seules choses présentes ici, ce sont des esprits errants. Oh, et moi, bien sûr. Qu'est-ce que c'est que ce regard? Je suis pas encore mort. Il fait peur. Des fleurs. Des fleurs. Une pierre tombale. On peut pas lire le nom des pierres. Oh, des pièces de puzzle. Oh non. Un ours en peluche. Oh. Une orchidée colombe. Dans le langage des fleurs, elle symbolise la phrase « Mes pensées te suivront dans tes rêves ». Et deux baguettes de pain? Du pain, ça sent le grillé. L'emblème de Lointainville. Il est censé représenter une porte ouverte pour une meilleure vie. Tu te souviens d'avoir appris ça en classe quand tu étais en primaire, mais tu te souviens pas des détails. Ah, attendez, j'ai loupé une pierre qui brillait? C'est vrai? Une pierre tombale qui brille? Oh putain! Je l'ai pas vu du tout! Je l'aurais vraiment pas vu du tout! Comment j'ai fait pour pas le voir? Notre chien... Notre chère Marie, le soleil brillait plus fort quand elle était là. Ça fait déjà si longtemps. Je pense à elle tout le temps. Je suis sûr que toi aussi. Tu sais, quand Marie est décédée, Héro a vraiment arrêté de se soucier de tout. Il ne voulait pas sortir du lit pour aller à l'école ni même manger. Il a arrêté de prendre soin de lui. Il a arrêté la pâtisserie et la cuisine. C'était comme ça pendant presque un an. Ma mère et mon père ne savaient pas quoi faire eux non plus. On a tous essayé de l'aider, de le soutenir, mais rien ne marchait réellement. Un soir, je suis venu le voir pendant qu'il était blotti dans ses couvertures, et je lui ai dit des choses. Des choses comme combien il nous manquait, et combien on voulait tous qu'il aille mieux. Combien tout le monde était inquiet. Combien Marie ne voudrait pas le voir comme ça. Je pensais l'aider, mais... Mais Héro s'est énervé. Il s'est levé et a commencé à me hurler dessus à propos de plein de trucs. Certaines choses étaient plutôt blessantes aussi, hein. Mais je pense que j'en ai ignoré beaucoup. Ses yeux étaient très rouges. Et en plus, il me criait dessus. Non, et plus il me criait dessus, et plus il pleurait. J'ai fait de mon mieux pour le calmer, mais peu importe ce que je disais, je faisais qu'empirer la situation. Je n'ai jamais vu Héro faire un truc pareil auparavant. Ça m'a vraiment pris par surprise. Et j'ai eu si peur que... j'ai aussi commencé à pleurer. Au final, maman et papa ont couru dans notre chambre et se sont précipités pour le serrer dans leurs bras et le calmer. Mais ils m'ont complètement ignoré. Je pense que c'est à ce moment que Héro a retrouvé ses esprits, parce qu'il m'a sauté dessus pour me prendre dans ses bras tout de suite. Il a continué de s'excuser encore et encore. Mais au moins, Héro allait mieux après ça. Il a recommencé à prendre soin de lui, et à se concentrer beaucoup plus sur l'école. Et il a rejoint un tas de trucs parascolaires.
Il est naturellement doué dans tout, hein, mais il continue de travailler très dur, donc je suis fier de lui. Je suppose qu'il est un peu plus renfermé qu'avant, mais je suis juste heureux d'avoir retrouvé mon frère. Et bref, désolé pour la longue histoire. Je pense que je ne l'ai jamais raconté à personne avant maintenant. Ce n'est pas de sa faute, mais je continue de penser que Héro culpabilise pour la mort de Marie. Héro n'est jamais venu ici, même pas une seule fois. Je sais que ça fait mal, mais c'est peut-être mieux pour lui. Je sais pas. Mais du coup, si on continue à faire des... à avoir des flashbacks du passé quand on était Omori, bah peut-être qu'on va la vivre, en fait, la mort de Marie à un moment donné. Dans l'histoire du jeu, ça va arriver. Oh. Oh. C'en est... Oh. Ok. Oh, c'est la fin de la journée, j'ai l'impression. On dirait que le soleil se couche petit à petit. Ah, c'est elle qui habite ici. Ah, je m'attendais pas à ça, tu vois. Je l'ai pas vu venir. Tu as vu ça? Il y a Aubry qui vient de jeter un truc dans sa poubelle. Allons voir ça. Ouah, j'arrive pas à y croire. C'est l'album photo de Basile. J'arrive pas à croire qu'elle vienne le jeter comme ça. C'est une bonne chose qu'on ait vérifié cette poubelle. Mais d'un bon côté, on a l'album photo de Basile maintenant. Et au moins, ça nous a pris qu'une demi-journée en plus. Tu parles d'un travail d'équipe. Ça te dit un top là, Sunny? Veux-tu faire un top là? Oui. Yes, let's go. Allons rentrer ça, Basile, avant qu'il ne fasse nuit. Il sera content quand il le reverra. Évidemment. Bien sûr. Mon cher Basile. Toc, toc, toc. Basile, c'est nous. Quel est Sunny, tes amis? Bonjour, qui êtes-vous? Salut Basile. Oh, bah attendez, vous êtes pas Basile? Ah, désolé, je m'appelle Polly. Je suis la nounou de Basile. Salut Kel. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, salut Basile, on a récupéré ton album photo. Quoi, vraiment? Waouh, mais merci. Tu as rendu l'album photo à Basile. Basile, tu ne m'avais pas dit que tu avais invité des amis. Vous voulez nous rejoindre pour le dîner? Je cuisine toujours un peu trop. Pour le dîner? Bon, bien sûr, ça a l'air trop bon. Allez Sunny, un dîner gratos. D'ailleurs, ça va bientôt être l'heure pour moi d'aller faire à manger. Ce soir, petit gratin de pâtes, là, au four, avec du chèvre. Je vais me régaler. Faites comme chez vous, je vais finir le repas. Ça fait un bail que je suis pas venu ici. T'as vraiment beaucoup plus de plantes qu'avant. Ah ouais, je les adore. En fait, il y en a quelques-unes qui sont encore vivantes de l'époque où vous veniez plus souvent. Alors, t'es vraiment quelqu'un de dévoué. Non, mais en plus, le chèvre, là, que j'ai, c'est pas un chèvre, c'est pas une bûche de chèvre classique, c'est une bûche de chèvre, mais à l'intérieur il y a je crois du romarin ou je sais pas quelle plante à l'intérieur, et ça donne un goût provençal. Boah, c'est trop bon, c'est trop bon. Je me suis fait des crêpes ce midi là, crêpes jambon fromage avec le chèvre, c'était délicieux. Et là je vais défoncer le chèvre dans les pâtes, je vais les mettre au four, ça va gratiner, ça va, je vais rajouter du fromage râpé là. Gros, peut-être même que si je suis un peu fou, je fais cuire des lardons. Trop hâte d'aller faire à manger là. J'ai trop faim, j'aurais pas dû en parler. J'ai trop faim. Oui, c'est du basilic tout craché. Des fleurs et des photos. Oh, ça me rappelle un truc. Maintenant qu'on a récupéré ton album photo, on peut regarder les photos tous ensemble. Ah, c'est... je sais pas. Ça fait longtemps que tu ne les as pas regardées, n'est-ce pas? Allez, ça va être marrant. Enfin, marrant, mais on va tomber sur Marie, du coup on va tous être un peu en mode... Ah ouais, D'accord, ok. Et voilà. Ma première photo, le 25-12, à Noël, c'est mon meilleur ami, Sunny,
qui essaye son nouveau violon. Il recommence à prendre des leçons pour pouvoir jouer au récital avec sa sœur Marie. Trop génial. Duquel tout craché. Tellement de chapeaux d'anniversaire. Sonny joue à un jeu vidéo sur le canapé. Sonny est un petit peu timide mais très à l'écoute. Je finis toujours par me confier à lui quand je suis contrarié ou stressé. Parfois j'ai l'impression de le déranger mais ça ne semble jamais le préoccuper. On est de retour du parc mais Kel est encore plein d'énergie. Il a défié Hero à un bras de fer mais on sait tous qui va gagner. Vas-y mollo Hero. Ah désolé Kel, t'aurais plus de chance la prochaine fois. Kel était encore un peu frustré de sa défaite au bras de fer contre Hero hier soir, donc il a décidé de lui faire un petit bisou. Kel a l'air si blasé. L'amour fraternel. Ça, c'est moi qui montre à Sonny un livre que je suis en train de lire. Marie a volé mon appareil et a pris cette photo quand je ne faisais plus attention. Je devrais vraiment faire plus attention à mes affaires. Oh non, ils sont trop mimes tous là. Ça, c'est nous, tous en train de câliner les peluches de Sonny. Il en a tellement et elles sont si douces, j'aimerais être couché là toute ma vie. Faut que je récupère cette photo, elle fera une super miniature. Marie nous apprend à faire des couronnes de fleurs. On voit Sonny et Kel qui tiennent celle de Marie. Elle a l'air parfaite, non? Si seulement Marie était du même avis. Hero est toujours en train de faire la sienne. Ça lui prend pas mal de temps, mais il y arrive. Sa persévérance est admirable. Il pleut des cordes aujourd'hui. La pluie sort vraiment de nulle part au printemps. Aubrey m'a demandé de prendre une photo d'elle avec son nouvel imperméable. Il est de sa couleur préférée. Elle est trop mignonne cette photo. Avec les autres derrière un peu en arrière-plan, en flou. Aubrey ne veut pas laisser Kel aller sous son parapluie, mais elle n'a pas l'air de déranger Kel. Comment elle a pu tourner aussi mal? Il dit qu'il aime le goût de la pluie. Duquel tout craché, encore. On est allé à Obey, mais le propriétaire du magasin a dit à Kel de laisser sa veste d'or vu qu'il mouillait toutes ses BD. Désolé monsieur le commerçant. L'école nous occupe beaucoup dernièrement, mais on a enfin pris du temps pour aller au parc aujourd'hui. Ça, c'est Kel qui est suspendu à un arbre avec ses pieds. C'est un excellent grimpeur, j'aimerais être aussi courageux que lui. Ça, c'est le premier jour des grandes vacances, donc on voulait célébrer ça en allant à la plage. La pastèque est le fruit préféré de Aubrey. Kel se rafraîchit avec du jus d'orange. Je devrais pas trop m'approcher ou il pourrait mouiller mon appareil. Kel a la réputation de souvent renverser ses boissons. Du jus d'orange, pas du jus d'orange, du jus d'orange. On a enterré Sonny sous le sable. Ça a pris une éternité, mais il a l'air d'aimer ça. Je me demande s'il aura besoin d'aide pour sortir. Je suppose que je vais lui tenir compagnie jusque-là. Youpi, Sonny fête ses 12 ans aujourd'hui. Même si Sonny, Aubrey, Kel et moi sommes dans la même classe, Sonny est plus jeune que nous tous. Et on savait que Hero était plus vieux parce que lui, il disait qu'il était à la fac. C'est le bébé du groupe, alors on doit tous prendre soin de lui. Sonny tient un cadeau super énorme de la part de Marie et Hero. Je me demande ce que c'est. On ne peut pas vraiment le voir sur la photo, mais Marie et Hero ont offert un jeu de construction géant à Sonny. Sonny semble beaucoup plus intéressé par la boîte, c'est un chat le gars. Il agit exactement comme le nouveau chaton de Marie, Miu. Sonny ne veut pas quitter sa boîte alors qu'elle a mis un bol de nourriture à l'intérieur. Je suppose que cette boîte sera la nouvelle maison de Sonny et Miu. Oh, il fait un câlin au chat. Ils sont vraiment trop beaux les dessins. On va attraper des scarabées aujourd'hui. Voici Kel, prêt à bondir sur sa prochaine victime. Oh, et Sonny est là aussi. Il a l'air un petit peu endormi. Je suis allé aux toilettes, quand je suis revenu, j'ai vu cette photo. Kel a dit qu'il a pris une photo de lui par accident, mais je ne le crois pas. C'est le premier jour d'école aujourd'hui. Kel, Sonny, Aubrey et moi, on s'est levé tôt, frais comme des gardons. Aubrey est si photogénique. Au revoir l'été, à l'année prochaine. Et c'est fini. Et c'est fini. As-tu fini de regarder l'album? Oui. Oh non, on dirait qu'il y a beaucoup de photos qui manquent. Peut-être qu'Aubrey les a gardées pour elle. On doit aller les récupérer plus tard. Voyons le beau côté des choses. Regardez comment j'étais tout petit. Je sais que j'ai pris au moins 30 cm depuis que Hero est parti à la fac. Et j'ai hâte qu'il revienne. Cette année, ce sera moi le grand frère. Bref, t'inquiète pas pour les photos qui manquent, Basile. Sonny et moi, on s'en charge pour toi. Toi, fais de ton mieux pour... Oh, je sais pas ce qui m'a pris, j'ai skippé trop vite le dialogue. J'ai pas vu ce qu'il y avait écrit. Je suis allé trop vite. Ok, merci. Je vais essayer. Désolé pour l'attente, le dîner prend plus longtemps que prévu. Est-ce que vous voulez m'aider? Oui, bien sûr, volontiers. Je m'y connais bien et j'aide mon frère à cuisiner et tout.
Oh, avec plaisir. Suivez-moi, s'il vous plaît, la cuisine est par là. Redevenir insouciant, tu crois? Probablement, je sais pas. Oh, salut, Sunny. C'est enfin bon de te revoir. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Sunny? Est-ce que tout va bien? Sunny? Est-ce que tout va bien? Je crois qu'on peut sauvegarder là. Ouais. On va s'arrêter là. On a joué 7 heures déjà. On va parfaitement... Ouais, pas serein. Pas serein de ouf. On va parfaitement s'arrêter là. Bah si, il est minuit pile. Il est minuit pile. Hein. J'ai dit qu'on s'arrêterait à minuit pile. On a joué 3h35. Donc on va s'arrêter là. Non, ça commence à être bien. Eh bien, il faudra attendre la semaine prochaine. Le prochain planning, et voilà. On continuera à jouer. Alors, je suis désolé, il y a trop de noms dans le chat. Vous me fendez le cœur, arrêtez. Je vous en supplie, on l'avait dit. Je l'avais dit. Elle arrive quand, la rediff? Elle arrive demain à 11h du matin. C'est comme ça, à partir de minuit, on arrête. Voilà. Il y en a qui vont dormir, il y en a qui vont... peuvent pas rester, tout ça. Moi, j'ai envie d'aller me faire à manger et tout. Non, c'est... Voilà, 3h30, 4h. C'est des gros épisodes, quand même. C'est bien assez, et voilà. Donc désolé, c'est trop bien, mais il faut s'en garder pour la prochaine fois. Oui, on s'en garde, on va s'en garder bien sûr. Faut que tu fasses plus de Omori, mais vous êtes trop pressés. Appréciez les choses à leur juste valeur, tranquillement, faut pas tout voir d'un coup, faut en garder un petit peu. On s'est quand même regardé 3h30, comme je le disais l'autre jour. Vous savez, moi à mon époque, quand je regardais des let's play sur YouTube, les youtubeurs, ils postaient des vidéos qui duraient que 20 minutes. Et j'attendais une vidéo par jour de 20 minutes. Et c'était très long. Là, on fait 3h30. D'un seul coup. Vous vous rendez compte si je faisais que 20 minutes à chaque fois? Ah, faut apprécier et tout. Voilà. Ça fait boomer de dire ça, Farod. Mais je suis boomer. Je le sais. Je suis boomer. Donc voilà. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci YouTube d'avoir regardé cette rediffusion que je coupe sur cette belle musique. Et je te dis à la prochaine pour la suite de nos aventures. Bisous YouTube. Bye bye.